Et salut à tous. Alors normalement le micro fonctionne. Voilà, incroyable. Alors j'espère que le petit programme que vous a offert Lenny et Nardiner vous ont plu. En tout cas, A Township Tale a l'air d'être un très très bon MMORPG. Donc on leur fera sûrement. Merci beaucoup Mao pour le follow. Et justement, on va retrouver Mao et Louis tout de suite après. Bref, vous auriez pu regarder l'émission Les 100 meilleures vidéos qui font rire sur W9, mais non. Vous avez fait le choix de la culture, vous avez fait le choix de voir ce qui allait se passer du côté du monde musical, du côté du monde de l'événementiel, et comment ça bouge en VR avec nous, et je vous en remercie. T'es plus en vacances, Zazel? Si, je suis toujours en vacances. Salut Ganakal. Il est où le pull de Noël? Ah non, ça je fais pas. Ça je fais pas. Désolé, désolé. Et donc on accueille tout de suite, hop, par la magie du montage bien sûr, hein, tout de suite Mao et Louis. Bonjour à vous. Bonsoir. Salut, bonsoir. Comment allez-vous? En ce Très bien, mardi? merci. Ouais. Ok. Alors Mao, on va commencer par toi. Je t'ai introduit 2 petites secondes. Hein. Du coup, on t'a vu hein, lors de la soirée de lancement. Mao, que vas-tu faire du coup sur cette Web TV? Et bon, on va présenter des créations digitales en réalité virtuelle. Donc, on va Yes. créer des scènes, on va lancer des défis, on va découvrir des artistes et on va voir un petit peu tout ce qui se passe de ce côté-là. On va vivre des expériences ensemble. On va essayer de créer des choses ensemble aussi. On va interviewer des gens. On va faire plein de choses à ce Ah. niveau-là, donc sur des logiciels comme Quill, comme Medium, comme Gravity Sketch, comme Unreal ou Twinmotion qui ont aussi de la VR, comme des choses Cool ça. Ok. plus rigolotes comme les jeux de graphes ou ce genre de choses, plein de choses. Ouais, ok. Donc très branché, aspect culturel. Et ça démarre dès dimanche prochain, si mes souvenirs sont bons. Ouais, Ah, le voilà. 27 à 21h, la première. Incroyable, j'ai la programmation dans la tête. Au top. Formidable. Merci beaucoup, Mao. Et donc, tu m'accompagnes pour cette interview de Louis. Louis, Au top. fondateur de VR Room. Salut. Et re-bienvenue, parce qu'on Bon. s'était déjà eu, du coup, en stream au mois d'octobre, si mes souvenirs sont bons. Et on s'était promis de te rappeler pour ton actualité, parce qu'elle est riche. Et en même temps, on va le voir, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui bougent. Donc, comment vas-tu? Et je te laisse un petit peu te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Ben, merci beaucoup de m'accueillir à nouveau. Je m'appelle Louis Cacciutolo et je suis le fondateur de Vroom, qui est une société que j'ai créée il y a à peu près 4 ans et demi, alors que j'étais encore aux États-Unis, et qui a pour but, pour mission, de démocratiser l'accès au spectacle vivant par la réalité virtuelle. En gros, c'est la mission. Et la mission, je l'ai acceptée. Ça a un peu traîné au début parce que c'était entre la lente progression du taux d'adoption des casques VR par le grand public Forcément. Et le coût et le fait que la VR, parce que nous, ce qui nous fait vibrer, c'est vraiment la réalité virtuelle sociale où on peut se retrouver dans un endroit avec des potes ou avec de la famille ou avec des gens qu'on ne connaît pas. D'ailleurs, c'est encore plus drôle parfois. Et parfois, c'est Carrément. même dangereux. Mais c'est ça qui nous intéresse et c'est on dira un petit peu sans arrogance, c'est un petit peu grâce au Covid en fait que ces usages ont un peu explosé cette année, donc on peut dire qu'on a bénéficié d'une crise qui frappe le monde entier malheureusement. Ouais, c'est ça. Effectivement, hein, comme j'ai l'habitude de le dire, évidemment, pour ceux qui ne connaissent encore pas la VR, alors oui, potentiellement, c'est un médium qui n'est pas sans défaut, hein, ça on ne l'a jamais caché. On a le motion sickness d'un côté, le FOV de l'autre, enfin bref, y a un câble, un besoin d'un PC en dehors des quests autonomes, ou si on est sur quest autonome, on est un petit peu limité en termes de graphisme, mais. En effet, à l'heure actuelle, aller voir un concert, aller voir un film au cinéma,
aller dans un parc d'attractions, faire un festival, tout ça, c'est impossible en fait à nos jours. Hein. Donc en fait, c'est ce que je dis à chaque fois. Pourquoi ne pas tenter l'expérience de toute façon? Au final, vu le prix d'une place de cinéma, vous allez, vous n'allez pas au cinéma de l'année, puis ça vous a payé votre casque. Donc voilà, fondamentalement. Donc j'espère que beaucoup, effectivement, nous auront rejoints. Et c'est ce que tu dis. Du coup, vous avez beaucoup, beaucoup de nouveaux adhérents, de nouveaux publics. En fait, c'est un nouveau public qui découvre la VR. En fait, j'ai l'impression qu'effectivement, la crise et tous les confinements successifs qu'on a dû vivre ces derniers mois et que. Apparemment, on va encore revivre dans quelques semaines, ont accéléré l'adoption et l'usage des casques de réalité virtuelle. Alors, on sait qu'ils ont accéléré comment dire, tout ce qui est rencontre virtuelle, entre guillemets, en ligne, en fait, par Zoom, par tous ces logiciels comment dire, de réunion en ligne, etc. Mais pour la réalité virtuelle, ça a aussi eu un impact. On a aussi eu l'impact et le fait que Facebook a sorti un casque qui est assez révolutionnaire début octobre, qui est le Quest 2, Très grand public, ouais, qui est pour le coup. très très grand public et qui du coup, oui, se vend comme des petits pains et qui permet quand même d'avoir un confort d'expérience qui est inégalé par rapport au prix que coûte le casque. Donc là, ils ont fait très fort et ça contribue évidemment à l'adoption de ces nouveaux usages. Maintenant, nous, ça faisait à peu près 2 ans qu'on travaillait déjà avec des festivals pour leur proposer une application qui permettait aux festivals de cinéma, par exemple, comme Annecy, comme Stereopsia ou comme Venise, de présenter au public les œuvres, leur sélection de films en 360 degrés. Au grand public, mais c'était quand même des expériences à rester. Notre application demeurait juste une application comme un peu comme un player qui permettait aux gens juste d'être immergés dans un monde, dans une histoire en 360 en mode contemplatif. Mais là, on est passé vraiment à la vitesse supérieure. On avait déjà commencé à s'y intéresser depuis à peu près un an, un petit peu plus d'un an, 1 an et demi maintenant. La réalité virtuelle sociale avec des plateformes telles que VRChat, qui est notre plateforme d'adoption pour l'instant, pour des raisons que je vais pouvoir décrire si ça vous intéresse. Ah, carrément. Il y en a d'autres On salue comme d'ailleurs. Endgame, The Wave, Sansar, etc., etc. Des plateformes de VR sociale où les gens se rencontrent, où les gens créent des mondes et où les gens peuvent réaliser des choses assez folles, en fait. Et tout ça avec cette dimension sociale et multijoueur qui est quand même, d'après moi, et le cheval, enfin le cheval de Troie, je dirais, de l'adoption massive de la VR. La composante principale, en tout cas, effectivement, pour beaucoup, ouais. En effet. D'ailleurs, petite anecdote intéressante, je ne sais pas si tu as vu Louis, du coup, et toi, Mao. Le festival, alors, enfin, on me pardonnera, j'ai oublié le nom, c'est le Festival du cinéma indépendant aux États-Unis. Enfin bref, du coup, il a un nom et je l'ai oublié. Mais par contre, du coup, Covid oblige, effectivement, ils sont passés en VR. Et pour le coup, alors je sais plus quelle plateforme ils utilisent, mais ils font payer les places commencent, je crois, à partir de 60 euros. Et c'est assez fou. Il y a un vrai modèle économique qui est en train de se dessiner pour tout ce qui est événementiel en réalité virtuelle. On l'a vu cet été avec des festivals comme Tomorrowland ou Glastonbury, etc., où Tomorrowland, par exemple, a pu vendre. Alors ça, c'était un festival réalisé en réalité mixte, mais qui a été diffusé sur des réseaux sociaux. Et ils ont réussi à vendre 1 million de billets à 15 dollars en moyenne. Donc c'est quand même, ça commence à être des choses. Des vrais modèles économiques. Ouais. Ça reste effectivement moins cher en plus en coût d'entrée, j'imagine, que le vrai festival, hein, forcément, mais par contre, ça coûte beaucoup moins cher à déployer, en théorie. Absolument. Ouais. Ok. Normal. Ouais, non, j'imagine. D'ailleurs, on va revenir, hein, on va revenir tout à l'heure sur le comment est-ce qu'on met en place ce type d'événement, parce que du coup, c'est clairement de loin ta spécialité, hein, Louis. Donc, comment est-ce qu'on fait? Alors, peut-être pas le combien ça coûte, mais en tout cas, voilà, comment est-ce qu'on fait? Quelle équipe, en fait, on a derrière nous? Parce que est-ce que c'est une équipe dont les métiers sont drastiquement différents du coup, la mise en place d'un festival classique? Est-ce que, enfin, Alors, ça dépend vraiment du type. Oui, ça dépend énormément du type d'événement
qu'on veut présenter. Je vais vous passer quelques petites vidéos pour vous montrer un peu ce qu'on a fait cette année, un peu dans des domaines extrêmement différents. On a fait des concerts, on a fait des spectacles de danse, on a fait des festivals comme Venice VR, où on a présenté des œuvres en réalité virtuelle à l'intérieur de monde créé pour Venise, par exemple pour Venise, exactement. On a travaillé pour Creative XR à Londres pour présenter les lauréats. C'est quelque chose qui appartient au ministère de la Culture à Londres et qui est un fonds en fait de création pour les créateurs d'expériences immersives. On leur a créé un monde, etc. Et là, on est en train de préparer le concert du Nouvel An de Notre-Dame avec Jean-Michel Jarre. Ça, notre bon, qui est dans 9 jours, donc. Ah oui, en plein crunch, du coup. On est en plein boom. Et voilà. Donc, selon le type d'événement qu'on prépare, on a besoin. Alors, évidemment, on a des expertises de base. Ce sont, par exemple, des développeurs, des designers. Mm-hmm. Les développeurs, nous, comme on travaille sur VRChat, c'est des développeurs Unity, parce que VRChat travaille avec le moteur de jeu Unity. Donc, ça, c'est vraiment le B.A.B.A. pour créer ce monde. Qui va pouvoir être accueilli par ces plateformes de VR social et qui va pouvoir héberger donc et avoir des activités différentes. Selon les activités qu'on propose, on a aussi besoin d'experts en éclairage, par exemple des éclairagistes ou des scénographes, ou bien on a besoin d'hôtes, par exemple pour Venise, on avait des hôtes, etc. Mais je pense que le moyen le plus simple d'en parler, c'est de vous montrer des petites vidéos. Carrément. Et d'en parler, parce que ça sera plus clair, je pense, que d'en parler de manière très abstraite. Eh ben, aucun problème. Bam, la magie du montage. Et là, on voit directement ton écran. Ah ben, voilà, j'ai rien à cacher, heureusement. Enfin, ce qui n'est pas sur cette page, ce que j'ai à cacher, donc on peut y aller. Donc, je vais commencer peut-être par quelque chose dont on avait déjà parlé. Quand on s'était rencontrés, on va faire un petit retour en arrière avec le concert de Jean-Michel Jarre, le premier qu'on a fait pour la fête de la musique. Ouais, donc ça c'était en juin du coup, enfin le 21 juin. C'était en juin et vous allez voir que depuis on a beaucoup évolué. On va commencer par celui-là. Ok. Sinon ça s'appelle Alone Together. Oui. Je ne sais pas si vous aviez eu le. Vous avez eu le son ou pas? Oui. Alors on avait le son. Par contre, il faudra qu'on voit pour mettre le son directement peut-être de l'écran. Je crois qu'en partageant l'écran, on n'a pas le son. Il faudra partager le navigateur internet. Plutôt que de faire partager écran, il faudra faire partager application et puis trouver le navigateur internet. Et du coup, on aura le son en pur parce que là, ça passait effectivement au travers des enceintes. Mais c'est pas grave, ça va se corriger. C'est super pixelisé chez moi, c'est crisp. Ah, le retour cam. Ah oui, le retour cam, ouais. J'avoue que là, il est pas top, Discord, là, en ce moment. Anti, c'est mieux. Ok, du coup, Alone Together, effectivement, c'était votre premier gros concert. Notre premier gros événement, on dira. Alors, pour la petite histoire, c'est quelque chose qu'on a fait en 3 semaines. Mm-hmm. Donc, c'était vraiment du délire, littéralement. Du moment où on m'a demandé de le faire au moment où on l'a réalisé, sans avoir aucun concept entre-temps. Donc, j'ai reçu le brief le 1er juin et c'était pour le 21. Ouais. Donc, voilà. Ouais, c'est un donc défi, ça a été quand même. Oui, c'était un véritable défi. Ce qui a été quand même. On estime que c'était une réussite dans le sens où, d'abord, on a réussi à le faire. C'était déjà une gageure. Mais surtout, c'était une réussite parce que sur les 42 minutes du concert, avec très très peu de promotion, c'était quand même Jean-Michel Jarre. Donc forcément, c'est pas un nom inconnu.
Mais je veux dire, c'est pas non plus quelqu'un qui est très branché dans le jeu, dans le monde des gamers, par exemple, ou Oui. des gens qui s'intéressent à la réalité virtuelle. Mais pendant les 42 minutes du concert, on a eu plus de 10 000 personnes dans le VRChat en réalité virtuelle. Et surtout, on a fait 1 200 000 vues sur les réseaux sociaux. Et qui, pour moi, c'est pas trop le nombre de vues qu'on a fait qui importe, mais c'est le fait en 24 heures, donc on a fait 1 200 000 vues avec 600 000 vues pendant le concert sur les réseaux sociaux de Jean-Michel Jarre. Mais ce qui était très important, c'est que dans les live feeds qu'on voyait, par exemple, tous les gens qui commentaient sur YouTube, par exemple, on voyait que les gens, ça a donné envie à beaucoup de gens d'essayer la VR. Et pour moi, c'était vraiment mission accomplie. Ouais, En c'était gros, ça le c'était but, démocratiser du coup effectivement la VR, faire connaître ce médium, quoi. connaître ce médium, mais je pense que pour ça, bon ben, c'était vraiment une réussite. C'était alors, vous voyez que sur la vidéo, vous n'avez pas énormément de monde, mais c'est parce que VRChat intrinsèquement ne permet pas à trop de gens d'être dans la même instance. Vous avez un Tout à fait. maximum de 40 personnes, 40 personnes par instance. Et dès que vous dépassez 40 personnes, d'autres instances clones s'ouvrent. Donc, en fait, on a eu 10 000 personnes, mais en fait, on n'avait que 40 personnes dans chaque instance maximum. Ouais, tout à Donc, fait. c'était ça. Et Donc, attention d'ailleurs, si vous êtes 40 sur une room dans VRChat, par pitié, faites gaffe à vos avatars. Non, parce que du coup, il y a différents types d'avatars hein, sur VRChat, et vérifiez bien qu'ils soient verts, c'est-à-dire optimisés pour VRChat, sinon vous allez faire ramer tous vos petits potes. Et ça, c'est pas cool. ouais, il y a. D'ailleurs, il y a des gens qui sont spécialisés dans le qui se créent des avatars qui font crasher les mondes. C'est-à-dire Ah! que il y a des trolls en fait qui Ouais. se construisent des avatars ultra lourds et ils arrivent dans un monde où on les attend pas, ils font des party crashing et ils font vraiment du party crashing, quoi. C'est-à-dire que tout crash donc, une fois qu'ils arrivent. Donc ouais, bah ouais, bah ça mais je sais pas pourquoi, ça m'étonne qu'à moitié. Alors moi ah, j'arrivais sur ce stream avec foi en l'humanité, et là tu viens de tout briser, Louis. Hein. Non, non, mais non, ouais. mais Non. ça fait partie des choses qui parfois peuvent être drôles. Alors parfois, si vous êtes dans un événement super sérieux où vous avez quelque chose qui se passe et qui est très sérieux et que vous avez ça qui arrive, là c'est pas très drôle. Mais par contre, VRChat a quand même des outils qui permettent de contrôler un petit peu ça. Oui, le poids notamment des avatars et ce genre de choses, quoi. Exactement. Ouais, et Donc non, ça, c'est pas bien. c'était la première expérience. Alors vous voyez que c'était quand même relativement rudimentaire en termes de comment dire, d'effets spéciaux, d'effets de lumière, d'effets de 3D, etc., animation 3D, etc. Bon, on rappelle que Mais vous aviez 3 semaines, hein. Forcément, c'est on voilà, rappelle qu'on avait on refait 3 semaines, pas tout un donc monde comme ça en 3 semaines, hein. c'était déjà vraiment un challenge énorme de le réaliser, sachant que tout c'était du live. Et je tiens à préciser quand même Oui. que on est vraiment les premiers qui aient fait un événement de cette envergure en live, en réalité virtuelle, parce que même les événements suivants ont été tous vendus comme du live. En fait, ce qu'ils appellent live, c'est que c'est quelque chose de préenregistré. C'est ce qu'on appelle live on tape, en fait. C'est Oui, c'est quelque chose ça. qui est préenregistré et qui a lieu à un moment précis. Vous savez, Et l'équivalent c'est des ce qu'ils appellent. premières sur YouTube, des vidéos premières, Ouais. voilà, bah c'est exactement ça. Exactement ça. Et donc, nous, en fait, on était absolument sans filet ce jour-là. Et d'ailleurs, bien sûr, je te coupe juste 2 petites secondes parce que je vais rebondir bah, sur l'interview justement qu'on avait eu ensemble et avec Jean-Michel Jarre, hein, du coup, qui était venu. N'hésitez pas à le regarder, il est en replay dans la chaîne YouTube ETR Secondaire. Et c'était passionnant parce qu'effectivement, non seulement c'est une prestation en live, mais vous aviez remodélisé le studio, enfin du moins les instruments de Jean-Michel, du coup Absolument. à l'échelle 1, quoi. On a complètement remodélisé tous ces instruments, c'est-à-dire que lui, dans son casque, il était entouré par ses instruments, il les voyait dans le casque exactement à la place où ils étaient face à lui, et on avait tout modélisé, y compris le moindre curseur, le moindre bouton, etc. Donc C'est en fou. fait, quand il voyait ses mains et qu'il touchait un bouton virtuel, il touchait le vrai bouton en réalité. Donc c'était assez dément. Ouais, complètement. Et il a beaucoup de machines avec beaucoup C'est ça. Enfin, du coup, de voilà, ça me permettait de rebondir sur le côté vraiment, du coup, performance live. Il faut vraiment imaginer que l'artiste était vraiment dans son casque VR à faire, du coup, la zik en direct. Exactement. Donc ça, c'était un gros challenge.
On a réussi cette mission, donc et plus jamais je vais refaire ça. C'était ça la conclusion. Ah. Je veux plus le refaire dans ces conditions. Oui. Mais du coup, ça s'est quand même très très bien passé parce que on va le voir après. Donc on va refaire une prise chrono, mais on va le revoir après. L'aboutissement, c'est le 31 du coup et rebelote. Donc c'est que Jean-Michel était ravi du premier pour donner le deuxième. Forcément. Lui, il a été vraiment emballé. Bah, alors, c'était pas son premier coup d'essai. Hein. Il avait déjà fait un concert dans The Wave, donc une autre plateforme que VRChat. The Wave VR, qui est une plateforme spécialisée dans les concerts en réalité virtuelle. Il avait fait ce concert, mais au tout début, c'est-à-dire en 2017. Donc, c'était quand même. Il a vraiment. Très en fait, je veux dire, c'est très précurseur à un tas de niveaux. Il l'a toujours été, il continue de l'être. Et on a des projets pour l'année prochaine qui sont assez déments aussi. Mais donc, il a pas peur de la technologie, il s'y sent très à l'aise. Et il sait tout ce qu'on peut en tirer, en fait. C'est ça qui est super intéressant avec lui, c'est que quand on travaille avec, il a vraiment une vision d'ensemble qui est très, très... qui dépasse vraiment la tech. Et qui dépasse en général le simple but pour lequel on veut le faire et qui va beaucoup plus loin. Donc c'est très passionnant. Je trouve ça génial. Ouais. C'est vrai, hein, je me permets encore 30 secondes. Et après, n'hésite pas, hein, Mao, hein, si tu veux rebondir. Mais quand je vois le nombre d'artistes qu'on a à l'heure actuelle, jeunes qui bénéficient également hein, d'une grosse communauté et on va parler pour pas les citer de gens comme M. Pokora ou ce genre de choses à qui la tech mais alors ça dépasse mais alors complètement. Et là on a Jean-Michel Jarre du haut de son certain âge, je me souviens plus exactement mais enfin peu importe, mais en tout cas qui a traversé comme ça les temps et qui enfin Jules on nous dit dans le chat, ouais tout à fait, voilà, Jules en fait partie. Non mais voilà, c'est ça, et je trouve ça formidable que ça soit poussé par cette génération là qu'on arrive comme ça à faire des choses en VR, alors que finalement les gens de ma propre génération, eux, se disent non mais on peut plus faire de concert, bon bah tant pis, on va pas rebondir, ça sert à rien, et puis se plaignent du coup de pas pouvoir remplir des zéniths, quoi. C'est, enfin voilà, c'est un petit aparté comme ça où je trouvais ça un peu. Alors qu'à 10 000 personnes, tu as rempli plus qu'un zénith déjà. Bah ouais, non mais complètement, mais les événements Fortnite, on en avait parlé hein, lors de la première interview, c'était démentiel. Alors c'était enregistré, hein, pour le coup, c'était pas du tout du live, c'était pas, voilà, mais c'était démentiel en termes de puissance et en termes de d'impact sur l'audimat, quoi. Enfin, voilà, c'est... Oui, on parlait d'artistes, oui, je suis désolé, on parlait d'artistes et on a mentionné M. Pokora et Jules. Bon, enfin, on va parler musiciens alors. Non, je déconne. S'ils nous regardent, que voilà, c'est drapeau blanc. Ça... mais voilà, donc je voulais rebondir là-dessus parce que moi personnellement, je trouvais ça formidable. Et si jamais tu as l'occasion, et j'imagine que oui, hein, de le revoir dans les prochains jours, n'hésite pas à lui redire ce que je lui ai déjà dit d'ailleurs la première fois. Moi, je trouve ça formidable. Voilà, petit aparté. Merci. Ouais, et du coup, en fait, on a continué. Fort de cette première grande expérience, c'était pas la vraiment première expérience, mais fort de cette première expérience qui nous a donné un peu de visibilité, on a continué avec en frappant un deuxième coup qui était assez bien réussi aussi, qui était celui d'accueillir le Festival de Venise intégralement, enfin la sélection de réalité des œuvres sélectionnées au palmarès de la réalité virtuelle. De Venise en réalité virtuelle, d'accueillir toute cette sélection et toute cette programmation en réalité virtuelle. Alors là, ce que je vais vous montrer, je vais baisser un peu le son parce que c'est pas utile en fait d'entendre le son. Je vais parler sur les images pour vous expliquer un peu comment ça marche. Mmh. Ok. Donc là, tu as eu Goodbye Mr. Octopus, etc. Alors, Exactement. Absolument. Ouais. Tu as vu ça. Ah oui, je connais un peu la personne qui c'est comme champion. Qui a réalisé ça, et du coup on utilisait un peu le même logiciel, donc dans la communauté on se croise, ouais, c'était vraiment un super boulot, ils ont mis une grosse claque à tout le monde avec ça. Ouais, absolument, ouais, c'était très très bien. Et bah, je vais vous montrer un peu à quoi ressemblait donc le Festival de Venise réalisé par Vroom, donc qui était toute leur sélection, et comment ça fonctionnait. Donc est-ce que vous voyez tout ça? Oui, bien sûr, impeccable. D'accord. J'ai baissé le son hein, exprès pour pouvoir parler dessous. Ouais. Donc là, vous avez Michel Reillac et Lise Rosenthal qui sont les programmateurs du Festival de Venise.
et pour lesquels on avait dessiné ce monde. Alors, ils accueillaient les gens. Bon, ça, c'est une vidéo de démonstration. Ils accueillaient les gens donc à l'entrée et on montrait un peu comment tout ça marchait. Donc, quand vous arriviez au Festival de Venise, vous arriviez dans cette espèce d'arcade où vous pouviez déjà vous mettre dans l'ambiance parce que vous aviez des masques sur une petite table que vous pouviez mettre sur votre visage pour vous regarder. Ensuite, vous preniez une gondole qui vous amenait à travers les canaux de Venise. Et pendant que vous étiez dans ce gondola ride, vous pouviez écouter un tutoriel qui vous expliquait comment, ce qui vous attendait, en fait. D'accord. Arrivé dans le hall d'exposition, vous aviez toutes les sélections des films de Venise. Il y en avait 44, des films en 360 degrés, des expériences en 6 degrés de liberté et des performances live en VR social. Qui était accessible par les portes que vous voyez à droite, là. D'accord. Donc, avec la présentation de l'œuvre, etc. Il suffisait de rentrer dedans pour accéder à ces œuvres. Alors, nous, on ne pouvait pas montrer, comme c'est VRChat, on ne pouvait pas montrer les œuvres en 6 degrés de liberté, mais on en montrait comme des espèces de previews. C'est-à-dire que pour chaque œuvre en 6 degrés de liberté, on avait un mini-monde qu'on avait demandé au créateur de créer et où on pouvait accéder pour avoir un avant-goût de ce qu'était l'expérience, qui était ensuite accessible soit sur le store Oculus Store, soit sur Viveport. D'accord. On avait aussi créé, donc ça c'était tout le hall d'exposition, et on pouvait voir les films 360 avec des amis, etc., et voir les previews des expériences en 6 degrés de liberté. Ensuite, vous aviez cette zone ici, qui était la zone qu'on appelait le jardin, le garden, et qui était une zone où on pouvait rencontrer les gens pour qui des professionnels, donc ça c'était réservé aux professionnels et aux accrédités, pour qu'ils puissent se rencontrer et présenter leurs œuvres et présenter, faire des panels, des conférences, ou bien présenter leurs œuvres, comme vous voyez ici, on avait un amphithéâtre avec des vidéos, les réalisateurs et les producteurs qui venaient parler devant leur audience, etc., en présentant leur projet. Moi, je trouve ça fascinant de me dire que ça, ce qu'on voit là, c'est une conf professionnelle. Quand on voit les avatars et autres, je trouve ça fascinant. Je trouve que ça brise des barrières, en fait. Voilà, c'est ça. On brise un peu des barrières. Bah, justement, le côté chemise, cravate et autres. Bon, bah, là, non. Là, c'est un bisounours. Et je trouve ça top, quoi. À mon avis, tu m'arrêtes si je me trompe, Louis, mais ça remet, en fait, le métier. La raison pour laquelle tu te déplaces au centre du débat, en fait, de le faire en VR comme ça. Ah, mais complètement. Complètement. Et c'est vraiment, en fait, je veux dire, c'était là, je vous montre une vue d'ensemble, je pose la vidéo un petit peu, une vue d'ensemble de cette, excusez-moi, de cette zone. Et vous voyez que là, je suis en hauteur, parce qu'on avait construit, c'était un peu un design à la Dequirico, et en hauteur, là, on avait une espèce d'escalier qui menait nulle part. Et en fait, les gens adoraient monter sur l'escalier et se jeter dans le vide. Normal. Ils adoraient la sensation de tomber et ensuite de tomber dans l'eau, etc. et de regarder le monde par en dessous. Et après, ils revenaient au point d'entrée. Et c'était quelque chose qui les faisait beaucoup rire. Ah bah c'est... il y a des jeux, il y a des petites expériences d'ailleurs qui existent pour ça. On pourra les conseiller hein, si jamais... Alors, on avait des petits easter eggs comme les dauphins, etc. On avait des photo walls comme ça avec des red carpets où les gens pouvaient s'amuser, prendre des photos, etc. Ça a bien marché sur les réseaux sociaux, ça. On faisait des séances de photos, des mini-vidéos. Ouais. Et là, ce que je vous présente maintenant, c'est la cérémonie de clôture avec la remise des prix. Donc, vous voyez les lions d'or qui sont là, disposés sur la table. D'accord. Et il y avait un mini-bug là. Les gens étaient morts de rire. Il y avait beaucoup de monde dans cette session. Je crois qu'on était 80 alors que normalement on doit être que 40. Enfin, bon, c'était... Donc ça buguait un peu. Ouais. Et ensuite, après la remise des prix, il y avait une cocktail party avec des feux d'artifice, etc. Et où tout le monde venait prendre un verre, discuter, se féliciter évidemment pour les gagnants. Et les perdants noyaient leur chagrin dans l'alcool. Et c'était comme dans la vraie. D'accord. Et après la party, il y avait une DJ party. Et ça, c'est la DJ party. Donc, qui était assez cool dans un espèce d'observatoire qu'on avait dessiné avec des astéroïdes qui volaient un peu partout et qui venaient. Ce qui était super, c'est qu'en fait, on avait un bar. Et en fait, comme dans la vraie vie, les gens montaient sur le bar pour danser. Et
Et tout était comme ça, en fait. C'était tout ce qu'on fait dans la vraie vie, les gens le répétaient dans la VR et étaient encore plus créatifs, en fait. Donc, c'était assez dément, en fait. Ouais, puis moi, j'ai adoré le festival. On s'est énormément amusé. Ouais, puis j'imagine qu'il y a l'aspect également découverte du soft. Alors les gens du coup travaillent un petit peu hein, le soft et ça c'est cool en même temps. Et du coup ils peuvent tester effectivement les saltos et compagnie. Donc il y a le principe, hein, on le rappelle sur VRChat, le principe de d'émotion, d'emote, enfin voilà tout ce genre de choses qu'on peut venir rajouter et qui font du social. À côté, et ça c'est pas ce qui est super cool là-dedans, c'est aussi le fait de il y a tout le monde à créer, quoi, et ça c'est vachement intéressant aussi. Justement, il y a plein d'artistes, de directeurs artistiques qui peuvent se lâcher complètement, là, comme là, voilà, refaire un espèce de temple musée à la vénitienne, le petit passage en gondole, trouver des interactions, etc. Enfin, ça rajoute une créativité. Alors je dis pas que faire un vrai festival c'est pas créatif, parce qu'il y a des mecs qui font les lights quand même, etc. Enfin, il y a toute une organisation aussi, c'est d'autres métiers, mais du coup là il y a un espèce de côté ultra transversal au niveau de la créativité aussi, que ce soit dans la musique, des festivals comme ça ou autres, où on a vraiment il y a tout à développer, quoi, à chaque fois, quoi. Il y a vraiment tout un univers à créer. Je trouve ça assez fantastique, quoi. Absolument. Et ce que je voudrais vous montrer aussi, c'est qu'on peut aussi faire des choses qui sont, dans ces plateformes de VR social, on peut faire des choses qui sont extrêmement photoréalistes. Et je vais vous montrer un autre exemple. Parce que ça peut ne pas être que cartoon et que, etc. Alors là, on vient de recevoir une commande de la RMN Grand Palais, donc Réunion des Musées Nationaux, pour une exposition de statues. En réalité virtuelle, pour pouvoir permettre en réalité virtuelle sociale de permettre des visites de groupe ou même des visites tout court de ces statues qui sont en taille réelle et qui sont réalisées de manière soit en photogrammétrie, soit de manière ultra réaliste en modélisation 3D. Donc, vous voyez là, la Victoire de Samothrace qui est en taille réelle, donc 2,75 m. Ici, vous avez une des deux statues qui orne le tombeau des Médicis à... je ne sais plus si c'est à Rome ou à Florence d'ailleurs. Vous voyez le rendu, et ça c'est dans VRChat. Hein. Ouais, non mais ça c'est complètement fou, effectivement, de pouvoir comme ça jouer avec la photogrammétrie. Hein. Du coup, c'est ça le procédé hein, qu'il y a derrière, et c'est top, et c'est vraiment top. Ouais. Donc on peut faire des choses aussi très très sérieuses, ça nous arrive. on n'en doute pas. Ouais. Donc ça, c'est un peu pour montrer un peu toutes les facettes, mais là vous voyez que pour tout ce genre d'expérience, ce qui est intéressant de savoir, et comme pour répondre un peu à la question que vous aviez posée précédemment, on a des on a besoin de métiers très différents, en fait. Ouais. Parce que c'est un peu comme dans l'événementiel, c'est la même chose. Pour Venise, on avait des hôtes qui étaient là, qui étaient briefés. On avait dans les deux mondes principaux, le hall d'exposition et le garden où se passaient toutes les conférences et les panels, on avait des hôtes postés là tous les jours. On en avait un par monde, 6 heures par jour, 3 fois par jour. Donc, on avait des hôtes 18 heures par jour pour pouvoir à peu près couvrir toutes les zones, toutes les time zones, et qui étaient là pour accueillir les gens et pour leur expliquer tout ce qu'ils pouvaient faire. Et comment ils pouvaient faire pour expliquer aux newcomers, parce qu'il y a pas mal de gens qui ne savent pas encore très bien se servir de ces outils, etc. Il faut savoir que VRChat, c'est très important aussi de leur expliquer comment s'en servir, de faire en sorte qu'ils se sentent à l'aise dans les mondes qu'on dessine. Donc, c'est pour ça qu'on avait des hôtes. Et ça, c'est rien que briefer les hôtes, leur expliquer, écrire leur speech, etc. Mais c'est un vrai travail, quoi. C'est exactement comme de l'événementiel. Et vous avez un tas de petits métiers comme ça autour de festivals, les mêmes métiers qui existent dans l'événementiel physique, on les retrouve dans l'événementiel transposé dans l'événementiel virtuel. Et ça peut être vraiment tout, les DJ, les ingénieurs son, les techniciens lumière, etc. etc. Donc c'est vraiment, je trouve ça fabuleux, parce que on crée pas seulement des mondes qui sont des mondes d'illustration, mais on crée des mondes qui sont des mondes, comme c'est de la VR sociale, des mondes vivants avec des gens dedans. On est obligé de penser aux gens, à leur expérience en temps réel, et faire en sorte que tous ces gens-là cohabitent comme dans un vrai monde, en fait. Et en ayant
en ayant tout qui marche parfaitement. Ouais. Ouais. Ouais, c'est pas quelque chose finalement qui exclut les professions traditionnelles, on va dire, qui peuvent tout à fait du coup s'adapter et se retrouver aussi dedans. C'est ça qui est intéressant. Ouais. En fait, c'est tout à fait ça, et je suis complètement d'accord avec toi, et c'est un peu mon discours, c'est que en fait, la VR n'est pas là pour remplacer le monde physique, mais ça donne une extension du monde physique qui permet justement à tous ces métiers d'avoir. Il faut pas avoir peur du numérique. Je veux dire, tout ce qui se passe. En gros, la VR sociale prouve que tout ce qui se passe dans le monde réel peut se passer dans le monde virtuel et que tous ces métiers ne sont pas obsolètes, en fait. Ouais, tout à fait. Et donc, c'est très important. Enfin, pour moi, je trouve que c'est très important de le dire et de le répéter parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que la VR risque de remplacer. D'abord, je ne pense pas que ça remplacera quoi que ce soit jamais. D'ailleurs, Jean-Michel Jarre, pour revenir à lui, dit très, très justement que au 19e siècle, à la fin du 19e siècle, quand le cinéma est arrivé, tout le monde disait que c'était... Ah oui. Ça marcherait jamais, etc. Et que, la fin du théâtre et tout ça, ouais. Ça je me souviens. Et la fin du théâtre, et que si ça marchait, c'était la fin du théâtre, etc. Mais effectivement, c'est pas du tout la fin du théâtre. Le cinéma n'a pas remplacé le théâtre, comme la VR ne remplacera pas le théâtre, ni quoi que ce soit. C'est une extension et c'est un nouveau mode d'expression et des nouveaux médias, c'est tout. Et la réalité virtuelle sociale, pour moi, est quelque chose qui requiert encore plus tous ces petits métiers dont on parle. Quand je dis petit, c'est pas péjoratif du tout. C'est juste cette multitude de métiers, plus exactement, qui font que on peut créer quelque chose de plus grand ensemble, en unissant nos forces. Et l'avantage de la réalité virtuelle, enfin, ce qui me paraît être l'intérêt de la réalité virtuelle sociale par rapport à toutes les autres formes de réalité virtuelle qui sont déjà pré-enregistrées ou pré-produites, etc., c'est qu'on a toujours l'inattendu du live. Et ça, ça fait la magie. C'est vraiment magique. Mais comment on gère ça, du coup ? Comment on gère ça là-dedans ? Enfin, parce que, alors là, enfin, je pour le coup, j'ai beau être développeur, avoir fait un petit peu d'événementiel comme ça, d'événements live, autres. Je vois assez bien dans la vraie vie comment on va gérer en fait des problèmes techniques, des problèmes de son, des problèmes de caméra. Bon, bam, on change la caméra. Problème d'éclairage, bam, on change l'ampoule. Enfin voilà. Comment on gère ça du coup quand on est en VR ? C'est... Alors, si votre plateforme de réalité virtuelle sociale qui vous héberge plante, il n'y a rien qu'on peut faire. Ouais, forcément. Mais c'est un peu comme si. C'est un peu comme si la foudre tombait sur un théâtre au moment où vous avez une représentation. Enfin, ouais. Je veux dire, c'est un peu le même niveau de risque en fait. Ouais. Tout est gérable en définitive à partir du moment où on connaît un peu les cas de figure de ce qui peut se passer dans un événement live et qu'on l'a préparé à l'avance un peu pour avoir un plan B par exemple ou bien des choses comme ça. Ouais. Mais sachant que aussi, il faut que je précise, VRChat a cette particularité, mais c'est pas la seule plateforme qui le fait, hein, d'être aussi accessible sur PC. Donc, vous n'êtes pas obligé d'être en réalité virtuelle. Vous pouvez accéder à VRChat, et il y avait la moitié du public de Venise, par exemple. En 11 jours, on a eu environ 16 000 visiteurs. Mmh. Y a la moitié du public qui était branché sur PC en mode vidéo game. D'accord, ok. Ça marche. Okay. Et est-ce qu'ils perdent pas quelque chose avec le tu sais, ça pourrait être super intéressant d'ailleurs d'avoir le recul en fait de ces personnes-là. C'est-à-dire qu'elles se sont branchées sur le PC, ont testé le truc. Est-ce que par la suite, si elles ont découvert la VR, est-ce que du coup, il n'y a pas un regret de se dire bah finalement, si j'avais pu vraiment, je l'aurais fait en VR quoi. Alors, je sais pas trop. Je sais que c'est pas du tout le même. Enfin, je veux dire, quand on est gamer, par exemple. Et qu'on a l'habitude de faire des jeux vidéo sur PC, mmh. On se sent pas du tout, on se sent déjà très investi à travers l'écran de l'ordinateur. Mmh. Enfin, il y a un degré d'immersion qui existe déjà. Je pense que c'est pas le même degré d'immersion, mais je pense que c'est un type d'expérience qui est un peu différent, mais qui n'empêche pas, en particulier quand c'est social et quand on arrive à se parler, etc., que ce soit parce que les gens qui sont sur PC peuvent parler aux gens qui sont sur casque VR et vice versa, ils peuvent se voir, ils peuvent interagir. Je pense pas qu'il y ait de soucis. Après, c'est un niveau d'immersion différent et c'est une expérience un petit peu différente. Moi, évidemment, je préfère l'expérience avec un casque VR, mais c'est vrai que porter un casque VR pendant plusieurs heures d'affilée, c'est fatigant. Oui, ouais, c'est ça. Et pour le coup, on le rappelle, quand tu parlais des hôtes, justement des hôtes, pour la préparation de public et autres, j'imagine que passer effectivement 6 heures d'affilée avec un casque VR, ça, c'était pas possible. Voilà.
C'était vraiment bon, c'était vraiment fatigant, quoi. Et on avait Ouais. choisi de faire des journées de 6 heures et c'est déjà beaucoup. C'est déjà Ouais, beaucoup. complètement. Bah bon, enfin, GG à eux. Alors j'espère qu'ils étaient équipés de casques hyper légers, enfin de Quest 2, hein, par exemple, typiquement, casque assez léger, enfin voilà, plutôt que On leur permettait, en fait, on leur permettait de, aussi d'accéder, de faire leur travail en mode PC. Mais c'est tellement plus, je veux dire, les gestes avec les manettes, etc. Les gestes et les interactions sont tellement plus fluides avec le casque et les manettes que c'était la plupart du temps, ils revenaient spontanément aussi avec à la VR. D'accord. Ok. Ouais, bon, c'est un peu logique, quoi, en effet. Ok, Voilà. d'accord. Est-ce que du coup, il n'y a pas un petit... Comment je pourrais dire? Moi, à chaque fois que je vois ça, enfin quand j'ai vu les scènes à Venise, je me suis dit, mais est-ce qu'on pourrait pas jouer... Est-ce que c'était volontaire le fait de rester à l'échelle humaine, techniquement, ou est-ce que du coup c'était juste soit un manque de temps, soit effectivement c'était plus consommateur, de dire voilà, on va Le vraiment temps jouer pour sur l'échelle humaine. la démesure des scènes, typiquement. Ah, alors en fait, je le conseille pas parce D'accord. que, ouais, parce que comme dans VRChat, on a droit qu'à, on ne peut héberger que 40 personnes dans un même espace en même temps. Ah, ok, je vois. Construire des mondes trop grands les rend très vite très vides. Ouais, je vois. Euh, Ok. et, et c'est pas, c'est pas, c'est pas cool. Enfin, je veux dire, se retrouver à 40 dans un monde immense où il faut courir pour rejoindre d'autres personnes et se sentir un peu isolé dans cette espèce de truc de vaste désert, ou c'est pas forcément un désert d'ailleurs, mais de vaste vastitude, on dira, c'est pas sympa en fait. Ouais, non, Il tout à y a, fait. y a et moi, très personnellement, je milite pour des mondes plus petits parce que c'est très cosy. Enfin, après. Si on pouvait avoir 500 personnes dans un monde, là, on ferait des choses plus grandes. Bien Mais sûr, c'est non, mais plus je sympa comprends. d'être dans un endroit un petit peu plus petit où tout le monde, ça a l'air animé, ça a l'air peuplé et c'était beaucoup plus cool. Ouais. Non, Voilà. mais non, mais... C'est plus important quelque chose où on interagit ensemble que juste penser au décor de toute façon, c'est vrai que ça paraît plus naturel. Ouais, Tout à fait. complètement. Ouais. Et c'est vrai que pour avoir traîné, et pour traîner encore, et je traînerai sûrement demain encore, sur beaucoup de jeux multijoueurs où il n'y a pas grand monde et où les maps sont immenses, effectivement, il y a comme ça un petit sentiment de solitude qui traîne. Ouais. En effet. En effet. Pour des événements en particulier, pour des festivals, on veut absolument pas avoir un sentiment de solitude. Pour des concerts, encore moins. Ouais, Enfin, je veux bah dire, oui. c'est. Oui, on veut retrouver cette proximité du coup qu'on ne peut pas avoir d'ailleurs avec le Covid en ce moment. Petit peu des espaces un peu intimistes, en fait, c'est pas. C'est beaucoup plus sympa. Ok. De ton expérience, Louis, et après on enchaînera sur les zones d'événements, mais est-ce que tu as déjà eu des personnes qui sont venues vers toi pour te dire, alors VRChat, ouais, d'accord, c'est cool, mais typiquement, je sais pas, moi, la proximité avec les gens, parce que du coup, il y a quand même cet aspect en VR de proprioception, et avec VRChat, bon, bah voilà, on va pas s'en cacher, les gens font un peu n'importe quoi avec les avatars et autres. Est-ce que tu as des gens que ça a déstabilisé Comment dire, maintenant VRChat a plus d'outils maintenant pour gérer ça, Oui, c'est vrai qu'on peut se donc faire sa capsule. on peut se faire une zone de sécurité, on peut kicker les gens out, on peut faire un tas de trucs. Donc je pense que les gens maintenant sont moins. C'est vrai qu'à une période c'était un vrai sujet, maintenant ça l'est un peu moins quand même, très D'accord, franchement. ok, ça marche. Mais ça a été un C'est parce sujet qu'ils n'ont pas quand de mec en spandex, c'est pour ça. même. Ouais, c'est ça. C'est ça. Non, 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 mais c'est vrai que c'était une réflexion que je m'étais faite. Parce que moi, sur le coup, alors, je peux pas dire que ça me gêne, en fait. Mais c'est vrai que. Des gens plus sensibles que d'autres aussi, hein. Voilà, c'est ça. Et connaissant la sensibilité de certains, effectivement, je me dis que voilà, pour certains, ça doit être un peu chaud. Merci, Mister Potatoes, pour le follow. Merci beaucoup. Et on a Chapin qui nous dit à quand une collab avec le studio Wanadev, enfin Wanadev Studio, pardon, pour des concerts sur Ragnarok. Alors, je sais pas si tu connais leur dernier titre, mais en tout cas, effectivement, un jeu très musical, très, enfin voilà. Et j'avoue qu'un petit concert là, comme ça, estampillé Wanadev Studio et VR Home. Super cool. Ouais, Ça serait super absolument. cool. En tout cas, s'ils nous regardent, n'hésitez pas.
clin d'œil, on sera là. et merci encore, Mr. Potatoes, pour le follow. L'idée, là, de pousser justement le côté gamification aussi par la VR, vu que ça permet les interactions. Alors après, en termes de développement, c'est plus compliqué, mais d'imaginer, pourquoi pas, un concert dans lequel le public peut aussi participer par le jeu. Alors, je dis peut-être pas jouer de la musique, parce qu'il faut peut-être pas exagérer, sinon ça devient le bordel, mais de pouvoir, pourquoi pas, enfin, tu vois, avoir aussi des jeux de rythme en même temps, marquer des points, débloquer des choses, etc. Enfin, il y a vraiment tout un truc aussi à créer à ce niveau-là. Qui peut un équivalent des soirées bœuf, du coup, qu'on faisait à l'époque. Petit côté un peu comme ça, enfin, vraiment de brouiller un petit peu les lignes entre vraiment le spectacle, le jeu. Est-ce que ce serait possible, ça? Vas-y, Louis. Complètement, ben, je peux vous montrer autre chose là qu'on vient de faire pour Creative XR, si je l'ai ici. Alors attendez. Ouais, alors ça, c'est quelque chose qu'on a réalisé pour Creative XR, donc qui est un peu le ministère de la culture à anglais. Et donc, on a fait quelque chose qui s'appelait To London and Back. C'était en début décembre, donc c'est très récent. Et c'était ils voulaient montrer, ils voulaient présenter les œuvres qui avaient été lauréates, les œuvres de créateurs immersifs qui avaient été lauréates de leur fonds, de leur subvention. Ils se demandaient comment est-ce qu'ils pourraient faire ça. Ils voulaient aussi avoir une zone pour un peu se détendre, pour jouer, et puis pour voir, pour faire des trucs un peu sympas. Donc, je vais vous montrer à quoi ça ressemblait. Quand vous arriviez, on a donc reconstruit. L'arrivée, ça se passait dans un train. D'accord. Vous arriviez dans un wagon, que vous voyez ici, et vous aviez un message qui vous disait que vous alliez arriver très bientôt à la gare de Saint-Pancras à Londres. Okay. Et quand vous arriviez donc sur le quai, vous voyez donc l'avant du train, là. Alors c'était un train un peu steampunk, etc. Vous voyez toute la verrière sur le toit de Saint-Pancras, etc. En haut, vous aviez. Alors ça, c'est en fait Rock Around the Clock. C'était un nightclub qu'on avait mis là et qui était sous la grande horloge de Saint-Pancras où les gens pouvaient monter et on pouvait faire des DJ parties sous la grande horloge. De Saint-Pancras sur cette plateforme transparente qui était au-dessus du train. Donc, et on pouvait aussi sauter. On pouvait sauter, les gens adorent sauter. Hein. Ouais. On pouvait sauter sur le train. Et là, on avait quelque chose aussi qui s'appelait Bar Comedy avec un vrai show tous les jours. Bon, c'était que 2 jours. Hein. D'accord. Tous les soirs, un vrai stand-up. Tous les soirs, il y avait un vrai stand-up. Avec studio. Une comédienne qui remontait sur scène et qui était et qui accueillait donc le public sur scène. Donc un bar avec une ambiance jazzy et que vous voyez la scène là derrière. Mais on pourrait trop faire ça. On pourrait trop faire ça. Moi je me dis, enfin, je vois mon point de vue ETR et tout. Enfin, on pourrait trop monter un espèce de bar comme ça, effectivement, dans un VR chat, et puis se dire, effectivement, on fait le stand-up, on fait passer des humoristes ou des, enfin, à l'américaine, quoi. Ce qu'on n'a pas connu nous en plus en France, ça pourrait avoir une espèce de seconde jeunesse, effectivement, en VR. Et alors, franchement, le stand-up en réalité virtuelle, ça marche super bien. Ah bah ouais. Franchement, ça marche super. Ah, j'ai pas trop de mal à y croire. Après, c'est sûr qu'il faut s'équiper un petit peu, faut un bon micro, mais bon, maintenant les casques font de mieux en mieux, faut ce genre de choses. Mais ouais, non, ça pourrait marcher, marcher du tonnerre, je pense. Ouais, tout à fait. Qu'est-ce que je fais? Non, je me suis trompé de fenêtre. Et du coup, Louis, pour. Ouais, mais ça, le chat ne l'a pas vu. J'avais cut avant. Donc, ne t'inquiète pas. Et du coup, j'avais une petite question. Alors, tu réponds si tu peux, soit avec un ordre d'idée précis, soit sur un plan macro et autre. Mais moi, ça m'intéresse vraiment. Demain, je suis une entreprise, un studio de développement, par exemple. Je sors un jeu. Je veux faire comme ça une sorte d'opening, une sorte de vernissage pour la fin du jeu ou ce genre de choses. Est-ce que tu as un coût comme ça de ce genre de d'événement? En fait, c'est très très difficile. C'est pas parce que je veux pas répondre, mais c'est parce que ça dépend tellement de l'ambition de l'événement. Ouais. C'est-à-dire, c'est vraiment très très difficile à dire, hein, franchement.
Ça peut être très, ça peut être 10 000 euros comme ça peut être 100 000 euros. D'accord, ok. Ça dépend de ce qu'on veut faire. Et ça dépend de tout ce qu'on met dedans. Ça dépend du nombre de personnes qui vont travailler dessus, aussi du temps que ça va mettre à créer, à développer, du temps que l'événement va durer, parce que pendant que l'événement dure, il faut qu'il y ait des équipes qui s'en occupent. C'est vraiment. On fait des événements à 10 000 euros, mais on en fait aussi à plus de 100 000 euros. Ouais, tout Donc, à fait. c'est. Ouais. C'est Ok. comme en vrai, quoi. Oui, C'est comme en vrai. au final, Si effectivement, tu vas c'est. faire un truc dans le bar du coin ou si tu loues la salle, c'est pas Mais pareil. très franchement, si le projet n'est pas démentiellement ambitieux, etc., je pense que, enfin, je veux dire, avec quelque chose de sympa, je veux dire, avec 10 000 euros, on peut faire quelque chose, hein. Il n'y a pas Ouais. de. Ouais, carrément. Non, mais c'était aussi ça que je voulais mettre en avant, c'est le côté, bon, finalement, c'est sûr que ça a un budget, mais en même temps, quand tu loues une salle, quand tu loues bah, un service traiteur, quand tu loues, enfin, bah, c'est des budgets forcément que tu n'as pas en VR, et que tu Le peux peut-être traiteur, tu l'as replacer pas. à d'autres. Bah voilà, c'est ça. Non, mais c'est sûr, tu n'as pas le traiteur, tu n'as pas l'alcool, tu n'as pas, enfin voilà, tu n'as pas les lieux, tu n'as Du coup, c'était aussi pour ça que je voulais faire passer ce message, c'est que c'est pas inabordable finalement. Quelqu'un qui voudrait faire comme ça un vernissage, claquer 10 000 euros dans l'événement, c'est monnaie courante en vrai. Donc. Surtout si c'est des événements et des environnements qui sont replayables ou reusables. Auquel cas, c'est vraiment Tout pas à fait. Parce que après, il suffit, une fois qu'un environnement est créé, on peut le recycler. Ouais, On bien peut sûr. accueillir. Ouais. Donc, c'est pas. Alors qu'en général, dans la vraie vie, on ne peut pas recycler. Ah bah, Un c'est événement, compliqué, en effet. c'est beaucoup plus compliqué. Ouais. Non, non, mais en effet, mais là, c'est vrai que si on ne demande que des assets finalement assez génériques, que tu penses en tout cas pouvoir recaser ailleurs ou autre, enfin, ça a forcément Faut son bien coût. qu'il puisse servir à accueillir un deuxième événement, un troisième Ouais, événement, etc. carrément. Non, non, mais en tout Oui. cas, enfin voilà. Donc ça, c'était pour briser peut-être une fausse image que les professionnels ont. Ça, quand on va parler de nouvelles techno, quand on va parler innovation, quand on va parler, enfin voilà. Sachez qu'en tout cas, que c'est faisable et pas pour des sommes pharaoniques non plus, quoi. Donc ça me semblait important parce que j'ai pas mal de professionnels qui sont revenus vers moi sur le premier interview qu'on avait fait. Et justement, qui m'a demandé ça, alors j'avais cassé le mythe d'emblée. Par contre, je savais pas à peu près de combien. Enfin, j'avais pas de fourchette. Donc, mais voilà. Donc, c'était important que je pose la question. Ok. En tout cas, c'est accessible. Voilà, ça peut l'être, ça dépend vraiment du cahier des charges. Oui, bien sûr. C'est ça. C'est ça. Ok. Sinon, bah écoutez, moi, ce que je peux vous proposer maintenant, c'est d'aller faire un petit tour dans Notre-Dame. Un petit teasing? Bah ouais, Un complètement. petit teasing. Je pense que certains d'entre vous l'auront déjà vu, mais donc à la fin de l'année, donc le 31 décembre à 23h25, on aura un concert de Jean-Michel Jarre dans une Notre-Dame virtuelle que on a remodélisé exprès et qui va être encore un step forward de tout ce qu'on est en train de réaliser et d'essayer de préparer pour l'instant et qui, normalement, devrait être vraiment super, super cool. Ouais, parce que Donc, j'espère. là, Notre-Dame de Paris, du coup, dans une salle VR chat, c'est quand même ballsy, quoi, comme on dit dans le milieu. Exactement. Donc, je peux le passer? Ok, Vas-y, vas-y, c'est bon. Les gens sont en plein écran, donc c'est parfait. super. Donc voilà, et puis après j'expliquerai un peu comment ça va se passer. Welcome to the other side. Bien joué. Nice. Voilà. Ouais, ça va être sympa. Ça va être Ouais. sympa, je pense. Je pense même que ça va être plus que sympa. Bah ouais, Et carrément.
Et là, en fait, ce qui va être super cool, c'est qu'il va y avoir une douzaine de morceaux de Jean-Michel Jarre, tous remixés par Boys Noize, Geezer Fullsten, Massive Attack, etc., qui vont être joués. Et D'accord. on va avoir un décompte à minuit, puisqu'on commence à 23h25 et le concert dure 45 minutes. Donc, on va faire vers la fin du concert, un peu avant la fin du concert, on va faire un décompte qui va être assez dingue, je pense. Et ce qui est vraiment super avec ce projet, moi, ce qui me plaît et ce qui me fait vraiment vibrer, c'est le fait que on va vraiment, comment dire, on va être tout média confondu. C'est-à-dire que c'est un concert qui a lieu en réalité virtuelle, mais il va être diffusé sur des chaînes de télé, sur les réseaux sociaux traditionnels, en VR, sur PC, sur portable, sur radio, Ok, etc. on Enfin est bon, c'est cross-média, quoi, clairement. complètement bien. Ok, ça c'est cool. Sur les chaînes de télé également. Et sur BFM TV et BFM Paris. Classe. Et ça, et TV5 Monde, et aussi d'autres chaînes de télévision dans le monde qui vont reprendre les flux EBU, donc European Broadcast United. Ça marche. Et nous, enfin, parce que moi, il y a deux solutions. Il y a deux solutions. Soit, du coup, enfin, déjà, est-ce qu'on aura les droits de restream si vous avez comme ça un stream Twitch dessus? Ou dites-moi dans le chat hein, si ça vous tente d'ailleurs qu'on couvre l'événement en temps réel, parce qu'il faut quand même un petit peu d'organisation de notre côté, mais ça serait vraiment cool. Ce serait vraiment cool. Bon, en tout cas, dites-moi hein, dans le chat, n'hésitez pas. Mais ouais, carrément. Mais c'est génial comme événement. Là. Vous êtes vraiment couverts. Enfin, c'est feu. Enfin, c'est projecteur à balles sur le concert de Oui, il Jean-Michel. y a Là, un c'est paquet de sponsors là. ouais, carrément. Oui, en fait, c'est bon, c'est une commande donc de la mairie de Paris. Vous savez que par les temps qui courent, c'est très difficile de prévoir quoi que ce soit. Donc, il y a plusieurs villes du monde qui ont décidé de faire des événements en réalité virtuelle pour le passage à 2021. Anne Hidalgo donc on lui a parlé de ce projet et elle a vu une opportunité justement de pouvoir porter l'image. Paris souffre énormément du manque de tourisme, Bah du forcément, tourisme. Et pour continuer à porter un peu l'image de Paris dans le monde, elle a trouvé que c'était une bonne idée parce que c'est complètement transfrontalier, cette manière de faire, qui sera accessible sur YouTube, Facebook, etc. Sur plusieurs chaînes de télé, etc. Et surtout, c'est vraiment l'image. Notre-Dame a fait énormément, comment dire, Notre-Dame résonne énormément dans le monde entier. L'incendie de Notre-Dame a été quelque chose qui a été fort très, en très mal émotion, vécu ouais. et très fort en émotion un peu partout dans le monde. Et donc, c'est vraiment un symbole qu'on porte et une image de Paris qu'on porte dans le monde entier. Et je pense que c'est ça qui est vraiment. C'est un projet qui, pour moi, est vraiment extraordinaire. Ouais, non, 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 mais c'est moi je trouve ça vraiment cool et effectivement ça va toujours hein, dans une démarche de bah, comment on rebondit quoi. Enfin, c'est vrai qu'on peut pas stagner non plus. Alors je comprends hein, effectivement les conditions sanitaires sont terribles. Il y a des corps de métier qui prennent cher mais comme jamais. Mais par contre quand même toujours essayer de rebondir au maximum quoi. Toujours essayer de retrouver repuiser un peu d'énergie pour essayer de se dire que potentiellement il y a peut-être autre chose à rouvrir derrière ou autre chose à faire. Chose. En fait, il y a plusieurs choses. Là, on n'est pas juste en train de se dire, on fait une commande, on se fait plaisir, etc. Cette commande, elle permet, sur ce projet, on est 150 personnes à travailler sur ce projet. Ah, Parce que c'est un enfin, projet extrêmement ambitieux. mais rendez-vous Avec compte quoi, des 150 personnes, c'est fou. C'est un projet qui fait travailler 150 personnes. Je peux détailler si vous voulez, mais je veux dire, déjà, ça vous donne une idée de l'ampleur Ouais, du on voit projet qui a ça. personnes pendant 3 mois C'est ce que je veux dire avec. et qui en fait et donc c'est une commande mais en même temps c'est quelque chose qui si on voulait pourrait être replayable et qu'on pourrait monétiser par de la vente de tickets parce que là je suis certain que sur quelque chose comme ça comme Tomorrowland a pu vendre 1 million de tickets en ligne Ouais. donc sur un concert Facebook quand même qui était fait en réalité mixte. Ils ont Facebook, YouTube, je crois. Ils ont pu vendre 1 million de tickets à 15 $. Je pense que sur ce sujet-là, on peut aussi vendre pas mal de tickets. Et en plus,
sachant que l'avatar de Jean-Michel Jarre est un avatar que maintenant on va pouvoir enregistrer pendant le live. Et repasser. Non. Et en fait, on peut le replay à l'infini Ouais. ensuite. C'est le VHS. Mais on pourrait même aller un peu plus loin, enfin se dire que par exemple, typiquement, je sais pas moi, des sessions d'entraînement, parce qu'il doit forcément s'entraîner régulièrement et autres, ça pourrait être live comme ça dans VRChat, que vous pourriez payer une somme et du coup, comme ça, être dans cette espèce de répétition du coup en live et pouvoir, pourquoi pas, lui parler, enfin, qui est alors, enfin voilà, à voir si lui, par exemple, ça le brancherait, mais en tout cas, ça serait une possibilité, ouais. On peut... Si vous... Alors attends, parce que ça a coupé 2 secondes. Vas-y, je te laisse reprendre, ça, je pense qu'ils n'ont pas entendu. Désolé. Je disais, on peut imaginer des masterclass, effectivement, on peut imaginer un tas de trucs Clairement. Qui pourraient être des moyens de monétiser tout ça. Et c'est vraiment la preuve que, d'une part, ça commence à être une industrie qui emploie des gens, qui fait vivre des gens. D'autre part, qu'il y a des modèles économiques qui sont prêts et qui sont viables. Donc on sort du gadget complètement. C'est un peu comme l'industrie du jeu vidéo. Au début, tout le monde disait c'est quoi? Et en fait, c'est une industrie qui est devenue énorme. Et ça va être pareil pour la VR. Oui, tout à Oui, fait. et Bah, ça a été super vite, parce que c'est vrai qu'on est là déjà avec des choses assez développées, mais enfin, comme je disais tout à l'heure, 3 ans, 4 ans en arrière, c'était vraiment balbutiant, quoi. Et ça date pas de même, enfin, même si les casques de VR, ça existe quand même depuis quelques temps, mais le côté accessible grand public et ce que ça amène comme problématique, comme évolution, etc., enfin, c'est super frais. Même il y a 2 ans, c'était encore complètement léger par rapport aujourd'hui. Donc là, on peut dire que dans les mois et même petites années qui arrivent, on n'a rien vu encore, clairement. ouais. Et même d'un point de vue technologique. Ça Oui, clairement, en technologie, il va évoluer aussi énormément. Mais là, tu parlais de masterclass, mais je vois, enfin, en formation, etc., tout simplement. Enfin, ça amène quand même une dynamique. Enfin, il y a vraiment des choses à faire. Ça commence, mais je pense que dans 1 an, on en reparle. Il y aura des formations en VR, en ligne. Ça deviendra beaucoup plus commun. Ah ouais, non, 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 non. Quelque chose avec un artiste au bout du monde, juste à côté de lui, de vraiment pouvoir interagir avec. Enfin, c'est génial. Pour moi, c'est vraiment crucial, hein, effectivement, de prendre ce train, alors qu'il est en petite marche, hein, petite vitesse, effectivement, mais de le prendre maintenant parce que c'est quand même un sacré gap technologique. Et quand dans 5 ans, il faudra rattraper tout ça, se dire voilà, on a eu 10 ans de DVR derrière nous, qu'est-ce qui s'est passé, quels sont les retours, quels sont les feedbacks, quels sont les rex en fait que les uns et les autres peuvent faire, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas, voilà, sans pour autant faire des erreurs de débutant qui sur ton premier projet va te serper, enfin va te couper la tête à la serpe, ça va être très très dur. Il faut absolument prendre le train en marche, alors limite petit à petit, hein, suivre effectivement. J'ai vraiment l'impression, du coup, Louis, que l'aspect, et c'est tout à fait normal, hein, mais du coup, il n'y a pas de tabou, c'est l'aspect monétisation sera un vecteur d'un point de vue culturel, ça c'est, je pense que c'est une évidence même. Effectivement, on n'est pas. Enfin, voilà, la culture, ça se paye. Et on en parlait aussi avec Jean-Michel la dernière fois, hein. La culture, ça se paye, ça se construit, c'est un métier, hein. Donc, et la monétisation, on en est où à peu près de ce genre de... Il y a eu des pas de fait, des standards un peu de commencer à créer ou pas du tout? Maintenant, on ne peut pas dire qu'il y a des standards, il y a des essais, il y a des choses. Alors, il y a des plateformes qui proposent déjà de monétiser comme Sansa. Oui. VRChat ne permet pas de monétiser. On a quand même des moyens de monétiser en faisant des choses sur VRChat, en passant par d'autres plateformes qui permettent de vendre des billets, comme Eventbrite, par exemple, pour pouvoir réserver des Oui. sessions privées, pour pouvoir accéder à des sessions privées, ensuite, etc. Sur Sansar, c'est une plateforme de réalité virtuelle qui est comment dire, le Second Life en VR, en fait, et qui propose beaucoup d'événementiels en réalité virtuelle. Ils ont tout un système de ticketing, de merchandise, de publicité, etc., etc., de sponsoring qui est en place et qui permet complètement de monétiser les événements qu'on peut produire dans leur plateforme. La raison pour laquelle nous, on n'utilise pas cette plateforme, ce n'est pas parce qu'elle n'est pas bien, c'est juste parce que on est plus à l'aise à développer sous Unity et ils ont leur propre système de développement. Donc, en fait, pour nous, c'est moins accessible et même pour le public, c'est un peu plus accessible. Oui, Mais non, mais après. des modèles Effectivement, on économiques. sent ça a une très bonne réputation aussi. Ouais.
La pub, enfin là je veux dire en VR, on est quand même sur un autre degré de c'est pas une pub dans le fil Facebook ou quoi que ce soit. C'est-à-dire que le, je sais pas, je n'ai pas de marque, je sais pas si on est sur Twitch ou quoi, mais enfin mettons une boisson énergétique ou je sais pas qui te sponsorise, tu peux vraiment mettre ces produits publiquement de manière interactive dans ton espace, etc. Enfin, tu touches en termes de marketing, on touche quand même un autre degré, quoi. Là, je pense que ça va intéresser pas Exactement. mal de. Les dents longues de marque derrière, ça Et, va. exactement. Et c'est vrai qu'il y a une notion par rapport au marketing, il y a une notion super intéressante, et tu l'as dit, hein, effectivement, tu n'as pas juste un placement de produit dans le sens où on te montre le produit, et puis voilà. En VR, typiquement, alors ça dépendra du produit, mais tu vas pouvoir le tester. D'un point de vue, enfin voilà, tu vois, un point de vue opérationnel, tu vas pouvoir le tester, voir ce que ça donne. Avec les contraintes de la VR, forcément, mais c'est à mon sens beaucoup mieux qu'un placement produit, dans le sens où on va te montrer le produit sous son bon emballage, son meilleur jour, son meilleur éclairage, son meilleur. Enfin, non, là tu vas vraiment l'avoir, pouvoir tester qu'est-ce que ça fait, comment ça marche, est-ce que c'est ergonomique ou pas. Moi, je vois très bien dans un avenir assez proche, tu vois, tu prends un Facebook Horizon ou une plateforme comme ça, tu vois, donc qui est déjà installée avec des marques, des partenaires ou autres, mais tu as tes avatars, ta boutique, tu pourrais pourquoi pas acheter ton polo de telle marque pour ton avatar, moyennant finance, comme si tu l'achetais pour toi dans la réalité. Par exemple. Mais il y a des marketplaces dans tous les jeux pour acheter du cosmétique, etc. Bah là, sera ton cosmétique perso, quoi. Enfin, tu vois, de mélanger encore une fois le côté ce qu'on fait dans un jeu, la réalité, qu'est-ce qu'on prend les deux, hop, on mélange, et puis du coup, va tester ta Tesla dans Facebook Horizon, machin, moyennant 10 balles, même si c'est complètement virtuel et que ça n'a pas l'expérience de la réalité, mais juste pour le plaisir de dire, tiens, je suis monté dans une Tesla, ou j'en sais rien, enfin, une année Ouais. comme ça. Non, Il y a énormément de trucs, ou que même je pour crois le que je futur du jeu vidéo, en vais effet. Oui, clairement, oui. Effectivement, imagine un GTA 6 en VR, dans Allez. lequel effectivement tu vas pouvoir comme ça monétiser, bah, je sais pas moi, effectivement, ta Tesla ou autre. Non, Clairement. il y a à mon sens effectivement beaucoup de choses à faire sur le marketing, sur le sponsoring, et J'en fais autres, pas et pour eux. aussi une démarche. Alors, d'un point de vue marketing, je m'en fais pas non plus. Je pense que clairement, et tu l'as dit avec Facebook Horizon, je pense que ça va être le lancement, hein, pour moi. Hein. Ça va être le lancement quand même de cet esprit-là. Je pense que Facebook a suffisamment de bagou pour faire passer ça, en fait. Être le premier, en fait. Voilà, c'est ça. Mais je cherchais le mot, hein, mais voilà, il y a que celui-là qui m'est venu. Mais pour faire passer le truc, en fait, pour se dire, voilà, bon, bah voilà, maintenant la VR, c'est comme ça, on arrive à faire ce genre de business, et voilà. Et de toute façon, bon, côté réputation, celle de Facebook est ce qu'elle est, je pense qu'ils ont plus. Voilà, ça fait longtemps qu'ils écoutent plus la grogne des utilisateurs, donc. Bah, fondamentalement, ce serait pas très très grave. Mais du coup, comment ça se passe pour des plateformes comme VR Chat, du coup, Louis, parce que les événements comme ça leur donne une. Enfin, fondamentalement, ça leur donne une visibilité incroyable. Alors, très surprenamment, VRChat nous font payer pour héberger nos événements. Moi, quand tu m'as dit ça m'a mis sur le cul. Je sais pas pourquoi, mais. Enfin, si, je sais pourquoi, mais. M'en suis toujours parmi. Ouais, non, Donc, mais clairement, c'est démentiel. C'est-à-dire que nous font payer. tu leur offres une visibilité mondiale, à des tas de gens, avec un artiste qui a déjà une communauté quand même assez conséquente, mondiale qui plus est, diffusée sur les chaînes de télé et compagnie. Enfin, parce que on rappelle, hein, c'est VRChat qui va héberger le truc. C'est-à-dire, même après, si c'est BFM et compagnie, ce sera des images tirées de VRChat. Et les mecs sont pas réglo. Enfin, ils jouent pas le jeu. Ça, je trouve ça quand même. Ça, c'est un peu aberrant, Dur. franchement. Je suis bon. Ça fait un an que je discute avec eux pour essayer de voir comment on pourrait faire autrement. Alors après, c'est parce que nos événements sont particulièrement grands. Ils estiment que on est suffisamment bien payé pour pouvoir héberger quelque chose. Mais le problème, c'est qu'en échange, ils proposent rien. Ouais, C'est-à-dire que moi, si en échange c'est ça. j'avais, ils proposent rien. Ils proposent leur plateforme, ce qui est déjà pas mal. Oui, non mais. Je veux dire, ils proposent aucune garantie que leur plateforme ne va pas bugger le jour J à leur H. C'est écrit, hein, noir sur blanc sur le contrat. Ouais, Aucun moyen de monétiser. Parce que moi, je leur disais, écoutez, moi, je suis d'accord pour payer à partir du moment où on peut monétiser sur votre plateforme, où on peut vendre des tickets, où on peut vendre des merchandises, où on peut faire de la pub. Rien n'est autorisé. Rien n'est prêt. Donc, il y a vraiment un gros problème. J'utilise toujours VRChat parce que pour la bonne raison, toute simple, que je pense que c'est la plateforme, une des plateformes les plus sociales de la VR. Il y a Et je plus pense que abouti c'est pour l'instant.
au niveau des interactions avec les gens, de cette espèce de sentiment de sociabilité, je pense que c'est celle qui est la plus réussie, peut-être pas la plus réussie, mais une des plus réussies, très clairement. Y en a d'autres qui marchent très bien aussi, mais je veux dire, il y a une espèce d'atmosphère dans VRChat quand on interagit avec un autre avatar, etc., qui est particulièrement immersif et particulièrement fluide. Et c'est ça que j'aime bien, et c'est pour ça que je reste sur cette plateforme, mais très franchement, ils exagèrent. Non, c'est ça. Et du coup, tu as fourni deux, trois éléments de réponse quant à la question d'Exil, qui nous dit pourquoi avoir choisi VRChat et pas Altspace, par exemple. Effectivement, moi, c'est à la fois un petit peu le choix du cœur, on l'a dit, à la fois aussi parce que la techno utilisée, Unity est quand même... Du coup, techno que vous maîtrisez très bien. Donc, du coup, c'est vrai que c'est un gain de vélocité. Alors, parce qu'Altspace, on pourrait faire des choses dans Altspace, mais alors Altspace, pour moi, est moins malléable que VRChat. Alors après, c'est peut-être une question parce qu'on a plus l'habitude hein, aussi. On a plus l'habitude de nous des interfaces de VRChat, etc. Il y a un côté interaction avatar que je trouve incomplète dans Altspace. Ouais. Déjà, les avatars sont assez incomplets parce qu'ils n'ont pas de jambes. Et puis moi, je sais pas, il manque d'expression, d'expressivité. Oui, non, puis pour le côté social, l'avatar est primordial en fait. En effet. Ouais. L'avatar est vraiment primordial. Et pour des événements sociaux, comme sont les festivals ou les concerts, je pense que c'est pas encore suffisamment polished, je dirais, je sais pas, en fait, suffisamment sophistiqué. Ouais. Mais en tout cas, du coup, moi, ma question, effectivement, elle était double. C'est la première, c'est que ça m'avait horrifié d'entendre ça, mine de rien. Enfin, vraiment, parce que voilà, on dit de boîtes comme Facebook. Enfin, on dit de voilà, mais sachez que du coup, des fois, on a des boîtes beaucoup plus petites, vraiment à l'échelle du début, et qui sont pas du tout plus compréhensifs que des grosses GAFAM. Enfin voilà, et je trouve ça dommage. Et la deuxième, c'est que Les prix augmentent à vue d'œil. Ouais, non, mais voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de grille tarifaire, c'est ça va vous coûter tant. Ça fait toujours plaisir. Un tel degré de professionnalisme, ça fait toujours plaisir. non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est complètement ambivalent avec le fait de... Enfin, VRChat a besoin que la plateforme se démocratise, a besoin que la VR se démocratise. Ils ont le potentiel hein, pour devenir vraiment conséquents, vraiment des monstres en fait là-dessus. Pourquoi brider les créateurs quoi? Complètement. Et moi, je leur ai dit qu'on les payait pour faire leur boulot. En gros. Ouais, donc, c'est quand même assez dingue. Donc, c'est pas le but, c'est qu'il n'y ait pas de contrepartie. Puis voilà, bon, quand tu payes pour un service et qu'en plus, tu as des choses qui peuvent se greffer dessus et tout, bon, normal. Quand tu payes un service aussi, enfin, là-dessus, normal. Mais c'est vrai que si tu n'as pas de billetterie, enfin, ça qui paraît juste fou, quoi. Enfin, tu organises des événements, tu n'as pas possibilité de monnayer en partie, ou qu'à la limite, ils prennent une commission sur la billetterie, je sais pas. Mais enfin, tu vois, que ce soit pas un peu plus. C'est surprenant, quoi. Non, puis le business plan est quand même bizarre. Bon, c'est-à-dire que tu fais payer les créateurs. Tu vois, c'est. Enfin, c'est le monde à l'envers en fait. Enfin, je trouve. Enfin, c'est voilà. En tout cas, bon, c'est ma vision, c'est ma voilà. Mais ça montre aussi à ceux qui nous regardent que du coup, vous êtes développeur, vous avez vraiment envie d'y aller, vous avez les fonds, je sais pas moi, créer un VRChat et autres. On a des. Non mais alors par contre. Oui. Excuse-moi, je t'interromps deux. Vas-y. VRChat n'est pas toujours. Je veux dire, au tout début, quand nous, on a commencé à créer des petits événements dans VRChat, on ne devait pas payer. C'était gratuit. Qui peut créer des mondes sur VRChat sans se payer. Bien sûr. Oui. À partir du moment où ils ont vu qu'on était commencé à venir avec des événements un peu plus importants, etc., ils se sont dit que forcément, il y avait de l'argent derrière. Et évidemment, nous, on est payé par nos prestataires. Bah, forcément, hein, oui, tout à fait. C'est normal. On est payé par nos partenaires pour réaliser des événements, mais je veux dire, c'est quand même quelque chose qui bénéficie à la plateforme. Ah bah, complètement. Enfin, c'est une visibilité jamais inégalée. Enfin, je veux dire, si on transpose ça au monde de la télé, si on transpose ça au monde de la télé, genre, je sais pas quelle plateforme, quel logiciel aurait sa pub comme ça sur BFM à 1er janvier en avant-première. Enfin, ça serait démentiel en fait, ce que ça reviendrait en sponsoring, enfin je veux dire c'est la boîte qui paierait la télé, mais pas l'inverse. Enfin, c'est donc voilà, donc c'était une petite réflexion comme ça. Alors
Je n'ai pas la prétention de donner des leçons à VRChat. Ils le font, ils ont choisi de le faire comme ça, et tant mieux. Je trouve que ça ne va pas du tout dans le sens, à partir du moment où tu fais payer les créateurs, les gros, j'entends. Parce que oui, il y a aussi cette dimension-là. C'est-à-dire que si vous êtes petit, vous voulez inviter 40 personnes dans votre room, ça ne vous coûtera pas un sou. Ça vous coûtera le temps de développement de ta room. Par contre, voilà, si vous voulez faire des choses beaucoup plus conséquentes, beaucoup plus gros, et c'est généralement ces événements-là qui font la popularisation de la plateforme, la popularisation aussi de regarder comme ça un concert en VR. Je trouve que c'est un peu tué. C'est un peu se tirer une balle dans le pied. Voilà. Bon, après, c'est personnel, donc. Mais messieurs de VRChat, si vous nous écoutez, en tout cas, voilà, ne perdez pas la raison, ne faites pas en sorte que le succès vous monte trop à la tête. En tout cas, ça serait cool, et la VR a besoin justement de plateformes comme VRChat. Pas que VRChat forcément, mais en tout cas de plateformes comme VRChat. Ok. Ça marche. Donc, on le rappelle, le concert, c'est le 31. C'est à partir de 23h25. Ça dure 45 minutes. Vous avez... Bah, tu l'as un peu teasé, hein, Louis. Hein. Du coup, il y a le décompte, forcément, de fin d'année, fin de début d'année. Voilà. Est-ce que vous avez prévu d'autres surprises comme ça, en plus de ce concert ? Non, il a fait partie, mais là, du coup, je veux vraiment que ça reste un teaser. Et c'est tout à fait normal, mais c'est un teaser en soi de dire qu'il y aura d'autres choses et d'autres surprises. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans le chat si vous voulez que nous on soit là, qu'on vous relaye l'événement, si vous allez y participer, si ça vous botte, si ça vous botte pas. N'hésitez pas à réagir là-dessus, c'est votre avis est précieux là-dessus. Hein. Tous les feedbacks sont preneurs. Je sais que vous êtes nombreux à parcourir VRChat de façon régulière dans la communauté ETR, donc n'hésitez pas à donner votre avis. Bah si, si quand même, si, on a fait 2-3 soirées, enfin voilà, il s'y passe des choses d'ailleurs, voilà, ce qui se passe sur VRChat reste sur VRChat, hein, voilà. Qu'on soit bien d'accord, donc voilà, en tout cas, n'hésitez pas. C'est quand la date déjà, donc le 31. Du coup, c'est pour la fin d'année, hein, forcément. Et donc, c'est un concert de Jean-Michel Jarre. Je ne sais pas si c'était une vraie question ou si... Enfin, voilà. Le 31 décembre, effectivement, à 23h25. Pour 45 minutes. Et donc, c'est Jean-Michel Jarre qui sera aux commandes. Et pas mal de surprises. Donc, vous attendez sur le même principe, du coup. Hein, j'imagine des rooms de 40 personnes. Du coup, c'est réparti, multiplié sur X instances. Alors, je veux expliquer aussi que donc, l'expérience la plus complète sera accessible via... PCVR ou Quest 2 avec Link, parce que pour les câbles Quest ou Quest 2 sans Link, en fait, on a un monde qui est prévu, qui aura une expérience qui sera pas tout à fait la même, mais qui sera aussi sympa, mais ça sera un peu une expérience comme vous le savez sur VRChat. Pour Quest, si vous n'êtes pas câblé. Avec un Link, vous avez une expérience qui est un petit peu diminuée, mais bon, ça marche quand même. Oui, tout à fait. Donc ça marche également effectivement en autonome. Forcément, j'imagine que vous avez rogné un peu sur les polygones, hein, du coup, de par l'optimisation, ce genre de choses, c'est normal. On vous conseille quand même le Link. Le Link, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est tout simplement un câble USB, USB-C, que vous rentrez dans le casque. Into USB dans le PC, vous avez d'ailleurs sur ETR plein de câbles non officiels, mais tout à fait compatibles avec l'un ou l'autre. Donc n'hésitez pas à regarder, hein, ça va vous coûter dans une trentaine d'euros, voilà, et c'est 90 pour le câble officiel. N'hésitez pas à regarder, on a les tests, on a tout détaillé. Et on n'est que le 22, donc vous pouvez vous équiper tout à fait pour le 31 sans aucun problème. Merci Amazon au passage. mais bien évidemment, on ne touche pas de sponsor d'Amazon. voilà, tout à fait. On en aura cité des marques ce soir, mais c'est pas grave, ça nous fait plaisir. Mais voilà. Et du coup, quid de la suite ? Louis, est-ce que tu as déjà des projets en prévision ? Est-ce que, Ah oui, alors, du repos peut-être un peu. Citer, hein, Ah. Alors pas vraiment, parce que le prochain gros projet, c'est le 15 mars, et c'est South by Southwest. Ah, oui. Donc, voilà. Donc, c'est pas du tout du repos pour l'instant. Parce d'accord. Que c'est un gros festival. C'est un très gros festival et c'est leur première édition virtuelle et c'est avec nous qu'ils vont le faire, donc c'est super évidemment.
Il va y avoir pas mal de concerts. Donc là, pour tous ceux qui aiment la musique et la VR, là, ça va être idéal parce qu'il va y avoir plusieurs concerts dans le South by Southwest virtuel. Et c'est le 15 mars, donc après le 31 janvier, rendez-vous le 15 mars à South by. Ouais, donc pas le temps de chômer hein, derrière, il y a moins de 3 mois de travail. Donc du coup, c'est des projets que vous faites en parallèle, c'est des choses... Comment tu fais d'ailleurs pour trouver... Enfin, je sais pas si tu as besoin de développeurs ou autre, mais comment tu fais? Donc c'est VR Room, c'est... du coup, va passer par des prestataires de services derrière pour faire... J'ai pas trop besoin de développeurs pour l'instant. Par contre, je cherche pas mal des designers freelance pour dessiner des mondes, parce qu'en fait, on a besoin de mondes qui sont plus ça va et plus on voit que nos partenaires, nos clients, nos collaborateurs nous demandent des mondes qui soient un peu originaux, dans des styles très différents, etc., etc. Nous, on travaille avec des designers. On travaille très bien avec nos propres designers ou des designers qui ont travaillé avec nous pendant un certain temps. Mais on est toujours à l'affût, à la recherche de créateurs d'environnements qui aient un peu leur patte, leur style et qui sortent un peu des sentiers battus. Hein. Super intéressant ça. En effet, bah écoute, en tout cas, le mot est passé, effectivement. On pourra en reparler dans l'émission, ça, du coup, par exemple. Voilà, tout à fait. Non, mais clairement, hein, c'est aussi pour ça que je posais la question. C'est vrai que c'est... On nous dit « Allez, go, Mao !» dans le chat. Non, mais ouais. Non, mais oui, mais c'est effectivement super important, et c'est pour ça que j'en profite. Hein, c'est qu'il y a une vraie demande, et il y aura une appétence pour ce genre de métier, forcément, qui va littéralement exploser. Mao, tu seras là également pour montrer, en fait, cette évolution. Parce que, pour le coup... C'est ça, pour le coup, on passe de la tablette graphique 2D à un tilt brush. Je pense que là, c'est deux mondes qui s'affrontent. Voilà, c'est ça, ça change beaucoup, beaucoup de choses. C'est vrai que enfin, je vois depuis que j'ai un casque, le nombre de collègues et de copains qui regardaient ça un peu de loin, des fois au début, ou qui étaient intéressés un peu tièdement. En un an, là, mon Covid en plus aidant, parce que les gens chez eux, éventuellement des projets aussi qui ont été annulés, donc j'ai un peu de temps de tester des trucs, etc. Enfin, par mois, le nombre de personnes qui pop dans mon Oculus, tiens, ça y est, j'ai un casque, etc. Enfin, c'est dingue pour une communauté d'artistes qui n'est pas non plus le truc le plus gros du monde. Ça reste quand même un peu niche. C'est une vague, hein, clairement. Et comment ça se passe du coup? Parce que moi, je connais un peu le principe du wireframe, un peu ce genre de choses. Est-ce qu'on retrouve la même chose en 3D typiquement? Donc, moi, je vois bien t'sais, le concept art, du coup, le faire dans ta petite brush, c'est ça? Et puis pouvoir le présenter. Ouais, mais en fait, tu retrouves le côté très finalement très traditionnel de la création, parce que tu crées enfin avec tes mains, t'as pas une interface, un logiciel à appréhender, etc. Donc c'est pour tout ce qui est sculpte, justement, pour la 3D, par exemple, il y a plein de solutions. Hein. Il y a Medium, Gravity Sketch, qui sont peut-être les deux plus gros. Mais du coup, on manipule vraiment l'objet avec ses mains. Donc on a quelque chose de plus organique, ultra facile à prendre en main, du coup, s'il n'y a pas toute la technique logicielle à se taper derrière, on peut vraiment interagir avec l'objet. Donc, pour créer, c'est plus évident. Après, évidemment, pour l'instant, on a encore besoin de logiciels traditionnels derrière pour aller texturer, pour aller Unity, Unreal, pour faire le game art, entre guillemets, derrière et le level design, parce que ça, il n'y a pas encore d'application complète pour ça, entre guillemets, en VR. Mais en tout cas, ça dégrossit et ça fait gagner un temps précieux au niveau de la création, ça c'est clair. Ouais. Et là, par exemple, effectivement, si Louis arrive avec, par exemple, j'ai un festival, j'ai un thème, j'ai un style de musique et autres, faire un wireframe que tu pourrais lui montrer comme ça en. C'est du wireframe, tu crées les assets déjà directement complètement. Non, mais c'est vrai que moi ça me fascine. Et après, l'artiste qui utilise Unity, le level designer ou autre, il réutilise des assets comme on fait en 3D à l'heure actuelle. Il y a ceux qui modélisent, qui texturent, les deux en général, des fois, pour beaucoup. Mais après, on passe ça à un LD qui maîtrise les moteurs de jeu, pour le coup, et assemble tous les objets créés. Après, il y en a qui font un peu tout, mais en général, c'est quand même des métiers un peu différents entre celui qui crée les objets et celui qui les intègre. C'est quand même pas tout à fait la même gymnastique. Ouais, c'est une spé, on va dire. En plus, on peut quand même tous les. En général, il y a un peu les mains dans Unreal ou Unity quand même, un minimum, quoi, parce qu'il aime bien tripatouiller. Ouais, tout à fait. Oui, non, mais tout... oui, voilà, c'est plus une spé que. Enfin, voilà, c'est... après, on dit.
Voilà, c'est un peu le même métier. Un level designer, voilà. Quoi. Faut pas retirer à César ce qu'il y a à César. Ouais, clairement. Ah bah oui. Non, non, c'est clair. Et du coup, voilà, vous pourrez suivre du coup sur cette Web TV, vous pourrez suivre en tout cas et ben tout ça, l'évolution effectivement du monde du graphisme au fil de l'eau. Le dimanche, une semaine sur deux. Ça commence dès dimanche prochain, et donc ça c'est super cool, ça s'appellera l'atelier immersif, donc tu viendras faire de la performance. Ouais, c'est ça, ouais. On va faire une petite scène hivernale pour commencer cette saison, pour souhaiter la bonne année. Ah, c'est cool. Ouais, c'est ça, et puis du coup, t'enchaîneras les épisodes avec des interviews, le cas échéant. Une fois par mois, on avait dit, et on verra si on maintient ce délai, c'est de retracer tout ce qui s'est passé dans le mois dans le domaine de la culture. Donc, il y aura un côté actuel, et puis une interview, et j'espère, enfin, ce que j'aimerais bien mettre en place, c'est que l'interview peut-être commence en face cam, mais se poursuive quand c'est possible dans un logiciel. Au sein d'un SAT. Pourquoi pas, si je m'en prends avec un sculpteur, on pourra aller continuer à papoter, mais en sculptant, pourquoi pas en expliquant des choses en même temps au chat, etc. Enfin, une espèce de masterclass interview où on va pouvoir voir l'artiste aussi créer, échanger. Ce genre de choses, ça va être rigolo, je pense. En tout cas, ouais. Bah, moi j'ai hâte en tout cas de voir ça. Et je m'en inspirerai d'ailleurs pour les émissions de coding, parce que du coup, moi je serai plus sur la partie dev. Mais en tout cas, ça me passionnera de voir comme ça les évolutions d'un métier finalement que je connais que très peu. Et justement, ça pourra briser pas mal de clichés. En tout cas. Ben, je pense qu'on a fait le tour pour ce soir, Louis. Je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose. En tout cas, c'était un réel plaisir de te revoir ici. Tu es le bienvenu quand tu veux, ici chez toi, comme on dit. Je me sens très bien avec vous, de toute façon, et à chaque fois, c'est un plaisir aussi pour moi. Donc, je te remercie de m'avoir invité. Je souhaitais des très bonnes fêtes à tout le monde. Ouais. C'est bientôt Noël. Tout à fait. J'espère que tout le monde va en profiter. Pour se reposer, pour relâcher un peu la pression, j'espère que vous serez en famille. En tout cas, si vous ne l'êtes pas, vous pouvez compter sur la Web TV pour vous divertir entre les fêtes, juste avant, juste après. Enfin, en tout cas, n'hésitez pas. On voit effectivement ce qu'on fait pour le 31, ça serait super cool. Faudrait voir aussi si potentiellement, est-ce qu'on peut pas réserver une salle d'une quarantaine de personnes, une instance en fait qu'on maîtriserait, pourquoi pas, pour la communauté ETR, ça pourrait être vraiment cool aussi. En tout cas, on reste en contact, Louis, si jamais c'est faisable d'organiser quelque chose comme ça, je ne sais pas du tout. On peut absolument, il faut me le dire tout de suite. Ouais, tout à fait, ok, bon bah ça marche. Vous avez compris dans le chat, n'hésitez pas à me le dire, en tout cas je ferai un petit rappel sur Discord, si jamais ça vous botte, en tout cas, voilà, on n'hésitera pas à pusher quelque chose dans ce goût-là. Et puis voilà, il me reste à vous souhaiter du coup une excellente soirée. Ça se dit toujours merde dans le milieu des artistes plutôt que bonne chance, ouais. C'est... Ouais. Alors merde pour le 31. De toute façon, on sera sur place en espérant que tout se passe très très bien, bien sûr. Mais j'ai aucun doute là-dessus. Et puis donc Mao, on se revoit dimanche prochain. C'est dimanche soir, ouais. Et Louis, de toute façon, je te tiens au courant, savoir si c'est faisable sur VRChat, pardon. Et puis sinon, 31. Ça marche. Entendu. Bon, et ben des bisous à vous deux. Bonne soirée à vous tous. Bonne soirée au chat. Et encore merci. Salut. Alors, décalage, toujours. Je reste à l'antenne encore 2-3 petites secondes. Effectivement, donc bonne soirée à vous. Ah bah Mao, t'es resté là. Hop, tiens, on peut faire un truc comme ça là. T'en bouges pas. Oh, ça fonctionne. Ça fonctionne impeccable. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau, c'est beau. La technologie. Ah, comment ça se fait? Oh, pff. Wow, putain, on s'en fout là. Tu sais la technique, on est entre nous. Hein. Hop. Bon, moi, je sais pas ce que t'en as pensé. Moi, je trouve ça super cool. Tu le testeras le concert, t'auras l'occasion de le tester parce que je sais que ça dépend ce que font les gens comme ça au Nouvel An, mais. Mais ah ouais, non, ça pourrait être une sacrée expérience. Je trouve ça cool. Non, c'est vraiment intéressant tout ça, tout ce qui se développe. Toutes ces possibilités qui vont, j'espère, rentrer un peu plus dans les habitudes
de ceux qui organisent des événements, quoi, parce qu'il y a vraiment un marché à faire. Enfin, c'est top pour la création. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose sur lequel il faut effectivement se pencher. Hein. Et c'est peut-être aussi l'occasion pour qu'on arrête de penser que c'est tabou en France. C'est le côté monétisation, quoi. Mais clairement. C'est vrai que c'est les choses qui sont taboues en France. Et culturellement, hein, j'entends. Hein. Enfin, parce que même moi, hein, quand on me demande telle prestation, machin, c'est combien et tout. Quand c'est pas dans ton vrai boulot, c'est-à-dire borné par des forfaits ou des choses comme ça, c'est mine de rien, c'est compliqué. Et on est les rares, hein, ne serait-ce qu'en Europe, à avoir ce sentiment-là. Mais en tout cas, c'est vrai que si on veut pouvoir faire vivre les créateurs, bah, il faut pouvoir les rémunérer. Et c'est pas en payant 5 balles par mois et en ayant accès absolument à toute la musique du monde, ou quasiment, qu'on rémunère effectivement bien les labels. Alors je sais qu'ils se sont engraissés hein, pendant des années avec les CD et autres. Mais là, là ils prennent un bon gros pic vers le bas. Il y a peut-être un juste milieu à trouver, en tout cas. Donc, non, c'est grave. Et puis pour les indépendants, il y a quand même énormément d'artistes indépendants dans tous les milieux, de plus en plus. Hein, donc ouais. Voilà, ouais, t'es fait à faire, quel que soit le métier artistique, culturel ou créatif, c'est un métier. Donc voilà, c'est payé en visibilité, c'est marrant, mais ça met pas de pâte dans l'assiette. Donc à un moment, c'est normal, quoi. Donc faut tout le monde. Tant qu'on a besoin de payer des factures, bah faut être payé pour ce qu'on fait, c'est logique. La passion. Normalement, c'est la passion qui vous anime, les artistes. Hein. Moi, je sais pas ce qui s'est passé pour que vous arrêtiez, mais c'était bien à l'époque. Payer en passion. Ok, on a Chaparin qui nous dit « Arrête d'avoir une voix grave, Mao. Tu fais trembler mon caisson de basse. » Eh ben, chais. C'est pour le tester. Et du coup, on a Ganakel qui a vu les annonces de job sur VR Room et il y a clairement plein de trucs de fou à faire. Non, mais pour moi, de toute façon, c'est les métiers qui vont être en pleine évolution. Hein. C'est vrai que même dans le domaine du jeu vidéo, le design souffrait d'une assez mauvaise image au final dans les studios. On avait tendance à dire, c'est triste, mais beaucoup plus souvent, un designer, bon bah au pire. Si t'es pas content, tu t'en vas et y en a 10 autres qui peuvent prendre ta place. Chose qu'on se permettait moins de dire aux développeurs. Mais là, franchement, j'en supplie, hein, tous ceux qui monde artistique, mettez-vous à fond dans la 3D. Je pense que d'un point de vue professionnel, c'est une évolution, une spécialisation du coup, et du coup un point supplémentaire que vous aurez. Enfin, Mao, tu m'arrêtes si je me trompe, hein, mais pour moi c'est vraiment. Non, clairement, mais à l'heure actuelle, oui, c'est vraiment. Bah, c'est comme tu disais tout à l'heure, c'est la carte en plus. Tout le monde le fait pas. Donc, se placer maintenant, c'est comme avoir une chance d'être un peu mieux placé. Effectivement, dans 2, 3 ans, 5, sûr, ce sera pas trop tard, mais ce sera comme le reste aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y aura du monde, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, il ne faudra pas que être bon, il faudra encore plus savoir se vendre aussi. C'est ça. Et l'UX. L'UX en VR, enfin, ouais. L'UX en XR, d'un point de vue général, qui est pour moi un vrai métier qui a très peu supercé. Ouais. On en avait parlé il n'y a pas longtemps, mais qui a très peu supercé dans le domaine de l'Internet, parce que tout le monde a l'impression qu'il maîtrise Internet, hein, parce qu'il y a tellement de standards que du coup, voilà. En VR, c'est pas le cas, et du coup, ce métier, c'est pareil, ça peut lui redonner ses lettres de noblesse, en fait, qui sont un peu perdues. Donc l'UX, en fait, c'est celui qui est en rôle, en fait, de l'ergonomie, en fait, l'ergonomie de votre site. Pouvoir se dire, ce bouton-là, on va le placer là, on va le transformer comme ça, on va le mettre de cette grosseur-là, parce que, du coup, en termes d'accessibilité, pour les aveugles, pour... d'une façon générale, voilà, c'est régi par tout un tas de codes. Et c'est passionnant en plus, mais vu qu'Internet, on a toujours tendance à se dire qu'on connaît, on n'a pas besoin du UX designer. UX, c'est pour User Experience, et UI, c'est User Interface, du coup, en effet. Ganaken, merci de la précision. Le UX, c'est pour Experience. Ouais, attention. On en connaît. C'est vrai que tu en parlais tout à l'heure, justement, le truc tout bête qui maintenant va devenir, si c'est pas déjà le cas, le standard de la safe zone dans les chatrooms en VR, qui n'existait pas encore il y a et qui, pourtant, ça paraît logique parce qu'il y a quand même des fêlés aussi comme partout. C'est surprenant de se dire que la proprioception, donc c'est le fait comme ça que le cerveau assimile son avatar à un vrai corps en soi, avec des guillemets, mais quand même.
Du coup, on retrouve ces gestes un peu de distanciation et autres qui sont de l'ordre de l'instinctif hein, dans notre cerveau. Ouais, moi, je sais que sur VRChat, les premières fois où je suis allé dessus, là, dans des mondes où il y a du monde, etc., que si tu passes des trucs partout, que ça te retarde, moi, non, t'es fou, mais où laissez-moi ouais, un peu tranquille. Ouais, quand on commence à te mettre le doigt dans le nez comme ça, sans avoir demandé la permission, non, c'est voilà, tout de suite vous avez, et c'est normal, un petit côté instinctif, un petit recul quoi. Va falloir faire des lexiques pour les néophytes. Ah ouais, non, désolé, effectivement. Mais comme tout corps de métier, hein, si on veut montrer qu'on est un expert, comme on dit, il faut des acronymes, il faut tout plein d'acronymes. C'est super important, voilà. Donc, et parler anglais, voilà, c'est ça. Et parler anglais, c'est super important. C'est comme ça qu'on se vend. Hein. On bosse pas, hein, on sait rien faire, mais on se vend à coup d'acronyme, donc c'est plutôt pratique. Mais en tout cas, ouais, non, mais comme dit Ganekal, il faut surtout pas hésiter à demander hein, si y a un acronyme que du coup vous connaissez pas. Et voilà. Bon, bah, c'était vraiment cool. Mais en tout cas, j'ai hâte pour le 31. Je vais voir, je modifierai peut-être mon planning, effectivement, faut que je m'organise pour voir si on se stream ça. Vraiment, hein, si ça vous tente, n'hésitez pas. Je ferai un sondage quelque part sur le Discord pour voir. On verra peut-être ça avec Nardineur, faire une équivalence d'une soirée ETR, mais du coup, pour le moment du concert. Ça peut être sympa. Je vous garantis rien parce que je garantis pas ma dispo à moi, mais en tout cas, ça peut être cool. Mais Ganakel. Comment? Mais faut vendre un coup d'acronyme. J'ai mal à translate. Ah. C'est un peu comme ça quand tu parles, donc. Non mais voilà, donc bon bah en tout cas nous on va pas tarder à se quitter, c'était vraiment cool effectivement de passer cette soirée avec vous. Qui c'est qu'on retrouve demain? Est-ce que tu sais toi Mao? Moi j'ai oublié. Normalement demain c'est faute. Mercredi, on a Virtual Go le mercredi. Faute, alors Virtual Go, Virtual Go, je pense qu'on va le retrouver effectivement. Il n'y aura pas d'expert talk. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Il n'y aura pas d'expert talk. Et pour l'arrière-boutique, c'est encore à voir. Mais s'il n'y a pas l'arrière-boutique, il y aura peut-être speedrun pour le coup. Et là, vous allez découvrir une nouvelle discipline. Ça va être assez drôle. Voilà, le temps pour moi de tout caler si jamais on doit faire ça à la dernière seconde. Mais ça va être plutôt sympa. Voilà, donc le stream demain commencera exceptionnellement à partir de 20h du coup. Vous faites pas avoir. Et puis voilà, ça sera tout bon. Et puis nous, on va couper ouais, effectivement là d'ici peu. J'allais dire une tentative de soirée ETR. Oui, bah tout à fait. Non, mais clairement, pour moi, ça rentre typiquement dans le spectre de la soirée ETR. Donc, ce serait vraiment cool. D'ailleurs, on a déjà fait sur VRChat. Donc, ça serait top. Qu'on soit à 20h, ouais, bah oui. Ouais. On est désolé. Hein. L'ETR Corporation s'excuse, du coup. Mais je passerai une VOD, si tu veux. On mettra une VOD, Chapin, t'inquiète pas. Ah, tu pars dans la famille? Ouais, bah j'espère que vous allez pouvoir souffler un peu. Tu fais quoi, toi, Mao, pendant les vacances? Sans indiscrétion? Enfin, tu pars un peu, tu souffles Bah déjà, est-ce que t'as les vacances? Pas vraiment. Ouais, voilà, déjà, première... Non, on va profiter un petit peu de la famille, des fêtes, de ma fille, tout ça. Noël, c'est une période privilégiée avec enfants. Donc, ah bah oui. Déjà, cette semaine, ça va être bien rempli. Mais puis sinon, on reste du temps, on va bosser un peu quand même. Hein. Ouais, parce qu'il faut bien bosser pour gagner sa croûte. Et tout à fait. Ça, tu te sens prêt? Nickel. Ouais, c'est bon. J'ai déjà... Enfin, tout est bon, je sais pas, mais en tout cas, tout est prévu, donc on verra comment ça se passe. Moi, j'ai vu du teasing et voilà, je vous dis que ça, mais j'ai confiance. En tout cas, j'ai vraiment hâte de voir ça et de découvrir du coup ce métier que je connais que malheureusement trop peu. Ok, bon ben bah, ça marche. Et ben bah, du coup, nous on va rendre l'antenne à personne. On va couper l'antenne pour ce soir. Encore un grand merci à vous de nous avoir suivis. En tout cas, j'espère que l'émission vous aura plu. Ça change un petit peu. C'était un thème un peu plus sérieux que d'habitude, mais voilà, ça fait pas de mal de temps en temps. Et puis voilà, un grand merci Mao d'avoir
été avec moi ce Merci à soir. toi pour la proposition, c'était cool. Et puis, bah, ce coup-ci, on va vous dire une excellente soirée à tout le monde, à tous et à toutes. À très Allez, vite. à très vite, ouais, c'est ça. Ciao! Ciao. À très vite dans le monde d'après.